C'est le boss qui vous parle. J'en ai assez d'attendre. Je veux ce Pikachu. Cette fois, vous avez intérêt à réussir. Nous sommes de retour pour jouer à mauvais tour. Un jour, nous serons plus riches que n'importe qui. Je serai reine. Et moi le bouffon. Quelle déveine. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de protéger le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin de dénoncer l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse. Bande de roublards qui veut capturer tous les Pokémon rares. Je suis si belle. Et moi si particulier. Vous n'êtes que des pions sur mon échiquier. Personne n'est aussi méchant. Tout le monde nous craint, sauf ces salvorbeux. Ah, ces salvorbeux. On creuse des trous partout. Personne ne tombe dedans, sauf nous. Mais on les aura. On est astucieux. On est astucieux. Ah, c'est le plan le plus génial que nous ayons jamais trouvé. Oui, Jesse, cette fois, ça risque de fonctionner. Est-ce que vous avez... La Team Rocket s'est envolée. Elle s'est envolée où ? Elle s'est envolée vers d'autres cieux, bien sûr, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors que j'essaie de faire fonctionner mon aile gâteau, vous inquiétez pas, tout va bien. Hop, pour la musique. Est-ce que ça a marché ? On verra. Yo à Utuka, hello à Yoka, hello à Fluorio, hello à Mew Wolfie. Et hello à Sniper. Sniper, c'est beaucoup de chiffres. Bon, je dis ça, je m'appelle Pumpkinman avec un 4 à la place du A, mais sur Twitch, mais ça c'est parce que Pumpkinman n'était pas dispo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai changé de pseudo. Regardez, maintenant c'est juste Pump. Il y a plus de Pumpkinman, c'est fini, juste Pump. C'est plus court, plus simple. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu t'appelles pas juste Pump? Mais genre depuis des années. Faut savoir que Pumpkinman c'est un pseudo que j'ai depuis plus de 10 ans. C'est mon tout premier pseudo et j'ai jamais changé. Et là j'ai changé, ça m'a rien fait. J'ai changé en mode bah ok, j'ai changé, c'est cool. Let's go quoi.
les oies, alors que bah, c'est quand même un gros changement, quoi. Attendez, il faut juste que je répare le gâteau pour avoir un peu de musique, là. Ou au moins juste le jeu, quoi, genre... J'attends un peu. Parce que regarde, actuellement, voilà ce que j'ai. Un écran noir. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. J'arrive pour les objets, j'arrive. J'ai vu la question sur négocier. Je vais juste marcher ça. Ah, il m'agace. Tu m'agaces. On va débrancher, rebrancher Elgato, bien sûr. Allez, hop. Et là, on fait ça. Et là, on fait ça. Alors, peut-être. Enfin ! Ah, bah, merci ! Oh, quel enfer ! Et yo, Coco Yoriko, j'espère que ça va bien. Alors, comment on joue Nigo... le fist... les fists sur le live ? Aïe, 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 le lapsus. Alors là, c'est à la fois, t'as pas de chance, hein. Ah, pas de chance, le lapsus, Yoka, pas de chance, pas de chance. Vous savez comment jouer Nigozia sur Unite ? Bah, en l'achetant. Super réponse, ça, déjà. Yes. Bah, effectivement, en l'achetant. Non, les... Le... Oui, c'était Hurricane. Hurricane et Surf, on le joue, donc vent violent. Non, Hurricane, c'est pas vent violent. Si, c'est vent violent. Vent violent et Surf. Mais avec le patch, plongée a été up. Plongée a été up, donc ça se trouve maintenant plongée est fort. Je sais pas, je joue pas trop Nigozier. Je l'ai joué une fois hier en quick play, on était en stream, mais c'est tout. Je peux pas le jouer plus. Paf. Ça se dit Sniper King. Ah ok, c'est un G à la fin. Ah ok, parce que le 9. Ah ok, le 9 a fait G et tout, ok. Ça marche. Que habla de lo español, tacos de tortilla de la Mexico. Merci beaucoup Florios pour le resub. Victoire de Florios qui en plus rejoint le club très privilégié des gens qui ont resub au moins une fois ma chaîne. Il n'y en a pas beaucoup Florios des gens qu'on resub, hein. Vu que ma chaîne Twitch est très jeune, il y a très peu de gens qu'on resub. Tu fais partie des premiers mon bon Florios. Merci beaucoup mon Flo. Merci beaucoup. Et en plus, t'as profité de moins 20% de réduction parce que c'est le September. Et ça, t'as fait une sacrée bonne affaire. Sacrée bonne affaire réalisée par Florios. Sacrée bonne affaire. Sacrée bonne affaire. Alors là, quelle affaire. Je serai vous, je ferai tapis sur les subs pendant qu'il est encore temps. Jusqu'au 30 septembre, c'est bientôt fini. Il reste plus qu'une semaine pour bénéficier de moins 20% sur les subs. Les subs qui sont passés à 4€ déjà, enfin 3,99€. Et en plus, il y a moins 20%. Oh là là, c'est une affaire en or. En voilà une bonne affaire, bien sûr. J'aurais bien sub, mais j'ai pas d'argent. Ah oui, non, mais ne subez pas si vous n'avez pas d'argent. Attention, mangez. Pensez à manger d'abord avant de sub quand même. Alors, comme ça, tu vas divorcer de Kinman. Ah ouais. Eh ouais, non, c'est Kipigo, c'est une sale histoire. Hein. Sale histoire, mais à un moment, je voyais la vaisselle qui s'accumulait, le sol qui était super sale, qui était pas fait. Il laissait traîner partout ses chaussettes, ses slips. J'en pouvais plus. C'était trop, Kipiko. C'était trop. J'en pouvais plus, putain. C'était trop. Alors je lui ai dit écoute, Kidman. Écoute, Kidman. Ça peut pas continuer comme ça. Et malheureusement, les choses. Il l'a mal pris et on a dû séparer. Maintenant, c'est pump. Mais bon, je pense que c'est pour le mieux. Je pense que c'est pour le mieux. Oula, ah oui, ah oui, ah oui, il y a un truc que je dois pas faire. Oh, 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 yes. Énorme. Énorme. D'ailleurs, où est-ce que j'allais dire, j'ai vu la notification sur Club Unité. J'allais y aller, mais non. Parce que sur ce compte, c'est le Club Unité. Alors, si vous n'avez pas suivi l'annonce sur Discord que j'ai faite, j'ai fait une annonce sans pinguer pour que seuls les vrais la voient. J'ai créé deux guildes. Il y a une guilde qui est publique, que vous pouvez rejoindre actuellement. Il y a 30 places, donc dépêchez-vous. J'ai fait une annonce sur Discord à ce sujet. Et j'ai une guilde, enfin un club unité, réservé aux subs, aux modérateurs, aux boosters Discord et aux gens actifs du Discord qui ont le grade de victoire. Donc ce club leur est réservé. Voilà, espagnol, c'est pas sur la promotion. Tacos de tortilla de la Mexico. Mais elle est enchaîne, Oh là là, l'enchaînement. Oh l'enchaînement, ça va gift à Yoka. Oh là 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 là, le bon samaritain, le flow. Oh quelle générosité exceptionnelle. Il fallait pas. Bon bah j'espère que Yoka tu sauras remercier Florian. J'espère que tu sauras remercier ton fabuleux donateur là. Il l'a fait ! Victoire de Florios là. Alors la victoire de Florios les gars. Victoire de Florios. Bravo. Bravo.
l'exemple de la communauté, bien sûr. Donc voilà, Baflorioz et Yoka, si vous avez votre compte Twitch lié à votre compte Discord, vous aurez accès au channel Guild VIP sur Discord et vous pourrez rejoindre le Club Unité. Bon, après, de toute façon, même si je montre le code de la, du Club Unité en live, c'est sur approbation. Donc, il faut que vous me donniez votre pseudo, sinon je vous accepte pas. Donc, dans le channel, évidemment. Eh, vous êtes bon, grande victoire, Wolfie. Oh, Yoka qui va pouvoir spammer les Charmy, les Pigargues. J'ai combien d'émotes d'ailleurs là? J'en ai 4, 5, oh, j'en ai 6 avec les emotes tier 2, tier 3. Et j'en ai 4 T1. Le Pigargue, le Flip Pumpkinman, le Crucifié et le Charmy. Faudrait que je rajoute une émote sub hype. J'ajoute une émote sub hype. Bon, on a dit petit stream là, on va enchaîner parce que ça va être un petit stream ce soir, je pense. Petit stream tranquillou. Parce que je vais faire une activité incroyable jeu d'histoire, les gars. Je vais aller. Attendez, est-ce qu'on va vraiment tester des choses en classé? Parce que là, j'étais en mode on va tester des choses, on teste des Florizards, machin et tout. Ouais, go. Parce que j'étais en mode activité du jeudi soir, regarder BFM TV. Et je vais aller chez un pote regarder BFM TV. No fake. Alors pourquoi ça? Il y a ce soir sur BFM TV à 20h45, il y a le débat Éric Zemmour contre Jean-Luc Mélenchon. Et alors là, ça va s'envoyer sur la gueule. Alors là, ça va s'envoyer sur la gueule. On a deux des meilleurs orateurs, deux des meilleurs débatteurs de France qui vont s'affronter sur un plateau. Ça va être très drôle. Après, il faut aimer la politique pour apprécier tout ça. Après, la politique est aussi l'affaire de tous, mais je peux comprendre qu'on ne s'y intéresse pas. Je comprends même parfaitement. J'ai dit qu'on testait Florizard là. Non. Oui, laissez-moi Florizard. Non, il me l'a pris devant moi. Oh, merci. Bon, il y a 25 junglers. Est-ce que je dis que je vais en jungle? Est-ce que c'est mal pris si je dis je vais en jungle? Je pense que oui, c'est mal pris. On va tester Florizard avec son nouveau set de Giga Sangsu Danse Fleur Ultra Vénère. Et on va mettre avec les nouveaux objets. Donc on garde bien les lunettes sages, on garde bien les lunettes choix, on garde bien les lunettes sages. Et on va en plus... soit on prend la vue... Non... Qu'est-ce qu'on prend comme... je prends un objet défensif autre. Soit le bandeau. Soit je prends le bandeau, soit je prends la body barrière. Je pense prendre le bandeau. Pour en avoir un objet défensif. Et là on va faire des dégâts. Et ça va être bien drôle. Je vais Florizard avec Dancefleur. Vous savez que Dancefleur a été OP. A été up. Et je vous assure qu'il y a des choses bien drôles à faire avec Dancefleur. J'ai encore jamais testé l'attaque. Donc on va y aller. Vous allez voir, ça va être très drôle. Si vous n'aviez jamais vu de Florizard Dancefleur alors, vous allez être surpris. Ce que vous vous apprêtez à voir est absolument exceptionnel. Incroyable. À quoi cette émote? Merci Yoka. Je me suis embêté à la faire. Hein. Enfin, embêté à la faire. J'ai juste pris un Charmy qui faisait ça et j'ai rajouté les deux petites tonnes de musique. C'est tout. C'est tout. Je connais rien que Florizard. Et bah c'est le moment. C'est parti. Bon, ça sera encore plus fort en jungle, bien sûr, comme tous les Pokémon, en fait, ça sera plus fort en jungle. Ça, c'est pas normal, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un nerf qu'il devrait faire. Il faudrait nerf à jungle, parce que c'est pas normal que... Ça n'est point normal que tous les Pokémon soient meilleurs en jungle, en fait. C'est pas... Le jungle n'est pas censé être pour tous les Pokémon, quoi. Même un support serait plus fort en jungle, quoi. On en est là. Je fais des gros... Alors, je fais des gros dégâts sur mes Foilian, ça, c'est aussi dû à mes vulnérabilités, hein. Je vous dis. Ils l'ont déjà fait, bon, ils l'ont déjà fait forcément. Ah bah non! Ah, il a esquivé. Capimac a esquivé tout, c'est insupportable. Ah, évidemment. Comment ça, il a rien eu lui? Ah, mais il est vraiment mort lui, mon jungler là? Donc, c'est à dire que je suis seul sur ma lane et j'ai un jungler qui est mort. Ah, j'étais cancel! Comment ça mon tranchant était cancel? Oh, mais vas-y, je suis 3v1, allez, c'est bon, allez. Super game, les potes! Super game, les potes, hein, vraiment. À moi qui voulais tester des trucs, on est en ranked en plus, je crois. Ah, mais oui, on est en ranked! Attendez, mais on est en ranked Elo 1200 et on a une botlane à 3 personnes? Ah, oui, mais excusez-moi, c'est la nouvelle méta, tout ça. Niquez-vous! Comment ça, c'est la nouvelle méta? Regardez ma game, elle ressemble à rien! Je suis déjà mort, je peux rien faire! Comment ça, c'est la nouvelle méta? Vous allez. Eh bah, je suis mort encore.
Quel plaisir. Ah bah si. Je peux pas les empêcher de scorer en fait. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de tout et y'a personne. Ils arrivent maintenant. Putain, il s'en est vraiment sorti le Florizarre là. Ok, c'est bon quand même. J'ai presque marqué là quand même. Allez, un peu d'XP s'il vous plaît. Pitié, j'ai 13 balles. Est-ce que je peux aller marquer? Oui. Non, même pas. Si c'est... Oh, c'est chaud quand même. Ah, je suis mort hein, maintenant. Ouais, je sais pas. Je suis agressif alors que je me fais bully. C'est chiant. Je devrais pas être agressif en fait, mais j'ai envie. Enfin, c'est quoi cette game là? Pourquoi je suis seul sur ma lane? Première game de la journée, ça se passe extrêmement mal. On a déjà perdu le camp scoring après à 7 minutes 30. Hein. On est là. Laisse-moi de l'XP, qu'est-ce que tu fais là, espèce de jungler de mort? Ah mais non, mais c'est vrai qu'ils se battent pour le jeu. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance. Oh, hein. Elle est horrible cette première game. Alors, encore, on est niveau 6, hein, franchement, ça pourrait être pire. Hein. On est quand même niveau 6, ça pourrait être pire. Hein. Oh, elle est pas drôle cette game. Hein. Elle est pas drôle du tout cette game. Ok, je vais vous montrer dans ce fleur, je vais le débloquer après 25 minutes. Alors, j'en ai déjà Mario sous calme, j'espère que ça va bien. Hello Call TV. Live de qualité, merci beaucoup. Bon, là, pas de gameplay. Live de qualité, je sais pas comment tu fais pour dire ça après avec cette game là, mais oh, mais il a un HP lui. Ok, il a réussi à l'avoir quand même. Attends, mais ils sont. Ok. Pourquoi il me focus le Torgamor? Ah non, j'ai pris le Psy-Shock. Mais faut finir. Faites le Torgamor, quelque chose, quelqu'un. Ok, non, mais il y a lui, c'est bon. Il joue power up. Bon, je passe ma vie à mourir. Hein. Oh, on a un Lucario, il a pas été capable de finir le tour comme mort. Oh, j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre de cette game. C'est la première game de la journée, les gars. C'est plus une citrouille. Ah, si, je suis toujours une citrouille. Par contre, ça change pas. Hein. Tu confirmes que la griffe rasoir est juste broken. Broken, je sais pas, mais c'est fort, oui. Bon, là, il va falloir. Finir en motisma très vite. Allez, finis-le. Merci. Ah, voilà. On va pouvoir tester Dancefleur sur les abeilles comme ça là. Bon, sauf que Lucario, ça fait. Ok, bon, je suis en retard d'XP donc ça va pas faire grand chose. Ah, bah, je me prends. Je peux pas jouer! Mais c'est allez, là enfin votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Moi, je suis content, je lance un stream. Vous êtes tous. En plus, vous êtes super gentils dans le chat là, vous êtes adorables et tout. Moi, je me dis, j'ai envie de faire une bonne game. Genre tout le monde est adorable, j'ai envie de faire une bonne game pour le chat et tout machin. Non, j'ai pas le droit. Le jeu m'interdit d'avoir une bonne game. Oh puis j'ai encore mort en plus là. J'ai avancé de 2 cm de trop. Je sais pas ce qu'ils font là mais Ok ça rejoue Ok je prends une ult. Son niveau 9, je suis juste au ma tour mais je peux rien faire. Vous voyez ça c'est insupportable ce genre de game. Parce que là je me fais juste snowball et je peux rien faire. Si, ce que j'aurais dû faire c'est ne pas les défendre et juste reculer quoi. Mais on s'est fait enfoncer. Vous verrez que ça va être ma faute, hein. Ils vont m'accuser les mates, hein. Parce que c'est ma lane qui est. Faut que je sois positif. J'ai dit, on lance un stream chill, on est positif et tout. Mais là, j'ai juste. Je voulais juste tester Dancefleur, moi, je voulais pas me faire dominer, quoi. Je suis enfin Florizarre. On va aller au Torgamor. Ouais, ça se bat au. Oula, ça se bat là. Oh, le carré va au top là. Personne. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a lui là? Mais je peux avoir un peu de danseur là. Pff, ah ouais les gars de danseur c'est pas mal quand même. Bon ça va, heureusement que j'avais giga sans sous. Je back pour heal. Je m'en fous du Torgamor, ma team a qu'à le faire. Moi j'ai fait un kill. Ah, non, finissez-le. On a Lucario. Et on a Flambuzard, on n'a pas le droit de le perdre. Et on l'a perdu. La Lucario et Flambuzard. Et on a perdu deux Torgamor. Positif. Il faut que j'arrête, je vais en remettre dedans. Ah mais c'est la première game de la journée, elle est déjà insupportable. Bah, par contre, elle est 100% pas loose. Hein. Alors là. J'ai l'insupportable mais elle est tout sauf loose. Hein. Là je m'en fous, je vais me battre avec lui là. Putain, fais chier. Oh ça met pas mal de dégâts les crapins quand même. Y'a un torton là, qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah je suis mort.
comme ça, je suis stun là. Oh, les dégâts de Tortank sont pas snerf. Hein. Allez, allez, je suis full stun. Je peux rien faire, j'ai Magic à son sou. Je suis full stun, je suis 3. Ils font quoi? Ils sont où? Ils m'aident? Ils font quoi? Ils font quelque chose? Ah, cette game déjà insupportable. Première game, mon mental est déjà détruit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par contre, pour faire les abeilles, c'est fort ça. Hein. Surtout que ça revient vite en fait, le monstre là. Ce que j'en marre. Par contre, il y a Lucario, il est en train de faire notre jungle. Par contre, on surraine pas, hein. arrêtez. Non, on surraine pas par contre. Non, on surraine de pas. Hein. Elle est 100% winnable. Je vous assure qu'elle est winnable. Faut juste farmer. Juste tout le monde farm. Voilà. C'est bon. La team a pas surraine. Juste voilà. Il faut juste farmer. Moi il faut que j'ai mon niveau 13 d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment je peux l'avoir mais allons-y. Je sais pas comment je peux avoir mon niveau 13 mais on va essayer. Ok. C'est lui là. Ok, je peux jouer un jour ou pas? Je peux jouer ou pas au jeu? Je suis sûr, j'ai envie d'arrêter le stream. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Qu'est-ce que le lecteur en plus? Et voilà, et je respawn et tu fais partie, mon final. C'est quoi cette game? C'est quoi? J'ai déjà plus envie de jouer. Elle était insupportable cette game, j'ai déjà plus envie de jouer. Si, en vrai, j'aurais pu faire un truc, c'est jeu plus défensif, et là au Maconnier, j'aurais pu ult. Mais après, j'aurais ult Maconnier, j'aurais gagné, et on aurait quand même perdu le vector. Mais bref. Bref, on va rater les ranked. Oh, je suis pas dans le bon mindset là ce soir, je suis pas dans le bon mindset du tout. Oh là 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 là. J'ai Gasson sous mieux que Bomber Queen maintenant. La citrouille en purée. Ah non, c'est le craquage là. Oh, je suis une game. Hein. Il aura fallu 10 minutes. Il aura fallu 10 minutes pour que je craque. On va aller en normal. Peut-être qu'en normal, ça sera un peu moins le. On aura moins des mates cirque. Parce qu'on était quand même une ranked et l'eau normale. En face, ils jouaient normal. Et nous, notre équipe, on a pris Zerora Flambuzard sur les lanes. Et vous avez vu à la fin, ils faisaient que de la counter jungle. On pouvait rien faire. Ah non, les game viewers, c'est pire sur le calme. Je suis désolé. Désolé, hein. Ouais, c'est violent quand même. Ouais, mais c'est violent, mais à un moment donné, c'est bon. Non, je rigole en vrai. Je rigole. Non, en vrai, jouer en team avec les viewers, c'est cool. Après, les seules fois où j'ai voulu faire du 5v5 entre viewers, ça s'était pas passé terriblement bien. Donc, ah, je voulais tester Flambuzard. J'aurais testé Fourri ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut tester? On va retester Flambuzard un peu là, du coup. Et là, je vais jungle. Et je laisse personne me voler ma jungle. Du coup, on garde Score Shield, on garde Muscle Band, mais on va enlever la body barrière, on va mettre un item. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme item bien sur la griffe rasoir en vrai? On peut tester griffe rasoir sur Flambuzard. Et du coup, là, on est vraiment en mode attaque de base quoi. Attaque de base, on peut tester la griffe rasoir avec le bandeau muscle. On garde le Protect Score. Le Protect Score. C'est vrai que la body barrière elle donne beaucoup de PV, une bonne survivabilité à Flambuzard, mais ils s'en fichent un peu en soi donc. Une recharge toujours meilleure. Vol, j'aime beaucoup vol hein, perso, donc on va rester comme ça, allons-y. Normal c'est pire. Ouais mais au moins les adversaires seront peut-être moins forts. Les adversaires seront moins forts. En tout cas un bon matchmaking, on est contre un mec qui est unranked, qui a un Florizard potion. Et un beginner. Ok. Vos items sont forts. Alors les gens disent très fort, machin, craqué, etc. Attendons un peu, hein, quand même. Ça fait 2 jours, c'est un peu tôt pour dire que les trucs sont craqués. Mais oui. Flambuzard, meilleur burst damage du jeu. Yoka, oui. Maintenant, pour moi, Florizard avec Vol, c'est le meilleur smiter, donc le meilleur burst du jeu pour finir les objectifs. Hein. Ah, bug. Ok, c'est bon, je peux bouger. C'est chiant le petit bug, là. J'ai déjà eu ce bug avec Flambuzard, ça m'arrive toujours. Genre au début de partie, j'appuie sur mon stick et ça bouge pas. Faut que j'arrive. Ça m'arrive souvent.
Je jouais que Skitty et dernière game que j'ai testé Flambuzard Jungle, ça s'est mal passé. Donc on va juste jouer Flash, parce que je me suis rendu compte que le Flash, en fait, même s'il il avait de la mobilité, le bon passe rouge, ici à l'écran, Flambuzard bien sûr en évolution, il est compliqué. Hop. On va pas ganker au top, c'est un Grignot, il pourra pas nous suivre. Par contre, on va aller aider notre botlane, je pense. Non. Ah, on a perdu le plus bizarre. On a perdu le plus bizarre, par contre. Est-ce que j'ai un timing pour score? Non, j'ai pas de timing pour score parce qu'il y a lui. Quel bizarre est revenu. Oh, le Tarsal, par contre, on peut le choper. Oh, le bulle bizarre. Oh, le. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que. Frère? Frère? Ah, mais il est débutant! C'est le débutant! Bon, on a vraiment un débutant dans notre équipe? Genre. C'est quoi ce bordel? On a vraiment un débutant dans l'équipe là. On a vraiment un débutant dans l'équipe là. Vous avez vu, c'est un dé... Vous avez vu, c'est Esteban, c'est le mec que je vous ai dit. Il joue Florizard Potion, c'est le débutant là. Bon, le dégât. Oh, le dégât de fond bizarre là. Oh, mais il a quand même tué le... Vous avez vu, il a quand même tué Lucario, hein. Le frérot, hein. Il a quand même tué Lucario, hein. On va profiter pour se courir quand même. Hop, on s'en va. Ah, Lucario qui fait mon buff de la jungle, ça c'est chiant par contre. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire mon buff. Le back. Ah, il fait mon buff. Bon, ça va en vrai. J'ai encore les miens d'actifs. C'est ça que j'ai vol déjà. Je suis pas mal niveau 7 là en vrai. Bon, je suis niveau 7 mais merde. Ah, je recommence à faire les nitro charges, les power up du mauvais côté là. Faut que j'arrête. Genre, en fait, c'est parce que je relâche le joystick droit avant. Et du coup, ça m'a détruit. Par contre, là, on va peut-être défendre. Je crois qu'il faut défendre là. Ah, il est mal, le bâtard. Après, je peux me faire les deux. Hein. Toi, je peux me faire les deux là. Voilà. C'est fort, Flambuzard maintenant. Il veut essayer de faire des kills, mais bon. J'avoue que je fais mal maintenant avec ces items là, avec la griffe rasoir en vrai. Parce que depuis. Avant, je faisais pas aussi mal, et là, la griffe rasoir, les gars, c'est vraiment ça qui me fait faire aussi mal, hein, je vous assure. Par contre, donc, t'as fumé toi. Ah non, j'ai raté mon vol! Ah, ça, c'est catastrophique. Ouais. Ah ouais, j'avoue que je fais des. Ah ouais, l'attaque de base que j'ai faite là, elle était vénère de fou là. Ok. Il est où lui? Ah non! Bah ouais, je me suis fait flambus arrête du coup aussi. Ah, Karchakok a pas suivi, dommage. Je pense qu'on pouvait les dive. Je pense qu'il y a moyen de les dive là. Après, on sait pas le coordonner, c'est la solo queue, c'est le problème. Ça va, je suis pas trop tulpté. J'aurais pu mieux jouer. Quels objets tenus? Là, on teste griffe rasoir, muscle band et score shield. Ah, c'est vrai qu'il y a un. C'est vrai qu'il y a un Torgamor, c'est intéressant ça, j'ai complètement oublié. J'aurais pas le temps de le faire. Non. Dommage ça, hein. Je suis un peu nul là-dessus. Ouais, c'est le problème, j'ai pas encore les réflexes de la jungle là. Pas trop en tout cas. Mon Lucario qui me détruit ma jungle, donc écoutez, si mon Lucario détruit ma jungle, moi je vais détruire ça, non mais oui. Ça me semble un échange fair play. Faut que je parte au top apparemment. Ah, mon Karchakro qui est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a pas dive, j'ai vu qu'il a fait le Motisma et en fait il l'a perdu, en plus il est mort. C'est con ça. En plus on se fait avoir là. Ouais, voilà, j'ai encore fait une recharge du mauvais côté. J'ai encore fait une recharge du mauvais côté et ça va coûter la vie. Oh. Faut que je sais pas pourquoi j'arrête pas de faire ça. Avant j'avais corrigé ce problème et là ça arrive pas de me refaire. C'est je relâche mon joystick droit trop tôt. Et je m'étais mis les spells suivent la direction dans laquelle vous regardez. Tu vois. Et ça avait qu'un peu corrigé. De toute façon de base si je touche à rien ouais ça va tout droit quand même. Après si je fais ça, attendez. Si je fais une nitro charge derrière le non mais oui. Genre si je regarde par là et que je fais ça. Ouais tu vois là ça me fait aller sur le non mais oui par exemple. Ça m'a pas fait aller tout droit. En gros j'ai regardé le non mais oui, j'ai pas touché mon joystick droit et ça m'a fait aller dasher vers l'arrière. Bon par contre je suis complètement off tempo là, je suis pas du tout avec mon équipe, je suis pas du tout au point d'intérêt, je joue très mal là. Il a 1 HP lui, c'est agaçant. Ah mais j'ai pas de flash. Ouais, je suis plus dans la game là, je suis en train de vous parler, je suis plus dans la game là. Nouvelles animations qualitatives. Nouvelles animations, j'ai pas remarqué. Il y a des animations. Et du coup, vous voyez, il marque et tout, et moi je sers plus à rien dans cette game. Je
j'étais trop bien dans ma game et là j'ai commencé à parler, à raconter ma vie et puis à parler de mon joystick et je suis plus là-dedans. Allez, avec quelle application je peux installer Pokémon Unite sur PC? J'ai fait une vidéo tout à l'heure, il y a une heure là-dessus sur mon sujet, pour prendre ma gueule. C'est sur ma chaîne YouTube, pour l'inscription YouTube bien sûr. Non. Je m'en saoule, toi. Moi, je suis mort. Ah, je suis pas dans le jeu là. C'est depuis la game d'avant, là, je suis pas du tout concentré. Je fais n'importe quoi. Prends pour un soir comme Poké, je sais pas. Mais j'ai bien envie de rejouer Fin Bizarre ou Florizarre. Mais parce que là, je fais n'importe quoi. Là, je suis en train un peu de ruiner la game. Tu vois, par exemple, je savais qu'il allait faut voler, j'ai rien fait. Il y a du farm de partout, je le fais pas. Tu vois, par exemple, hop. Ah, c'est dommage, je suis un Florizarre et je pars d'Autorgamor, c'est pas normal quoi. Je l'ai pas, c'est pas normal, tu vois. Hop. Après, je me fais trop rect par les deux là. Kirby te fait trop mal, il est niveau 12, je respecte pas. Je fais n'importe quoi dans cette game. Je fais n'importe quoi. C'est pas mon rôle d'aller en front comme ça. Je te focus un peu. Ah, ils le font, dommage. On va essayer de choper un niveau 13. On va l'avoir. Paf. Paf. Oh, ils sont tous là, je peux pas défendre. Je peux pas défendre, c'est du suicide. Par contre, je peux totalement. Allez, deux ultra T. Pas qui marque par contre. Ok, oui, c'est bien. On a pas trop mal géré là. Ok. Bon, on a pas trop mal géré. Voilà, enfin une action un peu stylée là. Voilà, ça y est, enfin une action un peu stylée. On va aller chercher notre niveau 14, je pense. Là-dessus. Je pense qu'on peut. Hop, ça on commence à refaire des crits là. Ok, ça va être niveau 14, pas encore. J'aurais un petit colomar quand même là. Petit crapin, ça ira très bien aussi. Hop, niveau 14, c'est bon. On a vol plus. Il y a un. Est-ce qu'on commence à parler à l'électeur tout de suite là? Parce que là on a deux morts là. Ah, ils sont morts où nos potes là? Ils sont morts où nos potes là? Je sais pas où ils sont morts. Là on va. Ah, ils vont nous finir. Ah, trop tard mon ult. Trop tard, j'ai fait vol trop tôt parce qu'ils allaient me choper et voilà, de toute façon on était mort, il n'y avait rien à faire. Dommage, encore une game, mais ça fait deux games là, c'est bizarre. Autant la première on était vraiment transparent, autant là pareil j'ai l'impression que la game je l'ai subi de A à Z. Je pense que je suis juste pas dans le jeu là. Juste pas dans le mood. Ah, on peut pas faire fake là. Merci Yoka. Bisous. Bon doudou. Je le garde en anglais car j'ai pris l'habitude. Ah bah, honnêtement, moi j'aurais pu le laisser en anglais. Après je me dis, pour les viewers, pour les gens qui regardent, tu vois, c'est mieux que ce soit en français quoi. Ah d'ailleurs, vous avez vu, ils ont mis un compteur de Suren. Vous avez vu, il y a marqué encore 3 fois. C'est-à-dire qu'on peut pas spammer le bouton forfait quoi. On peut pas spammer le bouton forfait. Par contre, il faut forfait là. Alors il y a vraiment un mec qui a dit non. Vraiment un mec qui a dit non, c'est Pokéstar ça. Ça je le vois, le cachet qui bouge. Il y a un mec, allez, par contre, ah non, mais ils ont vraiment posé la console les autres. Ah, mais je pense que c'est les joueurs mobiles. Vous savez ce qu'ils font les joueurs mobiles? Non, parce qu'ils bougent l'amphimobile. Hein. Ah oui, non, ici il a quitté. Ouais, voilà, c'est ça qu'ils font. Vu qu'on est plus sur Switch, en fait, les joueurs mobiles, vu qu'ils font qu'une game de temps en temps, en fait, ils quittent juste l'application. En fait, ils vont pas sur End, ils vont juste quitter l'application. Parce que ça va plus vite. Ils quittent l'application, ils rangent leur téléphone, ils vont faire leur vie, quoi. Et ou alors ils savent pas que quand tu relances, ça rechange. Du coup, on doit attendre une minute. C'est chiant. C'est chiant. Bon, c'était chiant ces deux games là, c'était pas drôle. Si, Fin Bizarre, en vrai, on a fait un petit move stylé un moment. Bonsoir. Ils avaient presque le temps de me buter. Ah oui, 1000 à 156, let's go. Ça fait pas les points de fair play si. Ah, si, le fait qu'ils aient quitté la partie comme ça, ça va leur faire perdre des points de forfait. Des points de tout normalement.
Bon, j'aimerais bien jouer une game normale. J'aimerais bien juste une game normale. SVP. Genre juste une game où le niveau est équilibré, où je peux jouer mes picks, où... Là, l'early s'est bien passé, mais je sais pas, un moment, au mid-game, j'ai complètement paniqué. Ils ont fait deux Torgamor, on s'est fait rouler dessus. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette game encore. On va essayer de se focus et de se mettre dedans, là, parce que pas drôle. Parce que pas drôle, là. Est-ce qu'on rejoue Flamme Bizarre, là? J'ai envie d'y aller. Donc, je dis que je prends Flamme Bizarre, là. Parce que le mec prend Absol et tout. Ah, vas-y, j'ai compris, je vais prendre Florizard. Après, j'ai envie de Florizard jungle, quand même, hein. Alors il prend Absol, il est chiant. Bon, on va aller au top, tant pis. Avec Tour Tank, ça me va. Ok, reset mental. Attendez, reset mental. Voilà. Ouh. On est bien. Ça réveille. Alors, on a dit qu'on gardait lunettes sages, lunettes choix. Du coup, j'ai très envie de mettre même griffe rasoir sur, sur un Florizard. Mais si c'est clairement pas le bon item. Griffe rasoir, ça m'a l'air vraiment très fort. Hein. Franchement, quand j'ai vu les dégâts que ça a fait sur le Talonflame. Parce qu'elle a vu une assurance, mais la vue d'une assurance, ça monte l'attaque. Alors, l'attaque de Florizard, c'est bien pour les autres attaques de base, mais. Je veux dire, Florizard, c'est l'attaque spéciale qu'il joue. Donc, l'attaque, on s'en fout. Et là, c'est pareil, c'est quoi ce matchmaking? Pourquoi je tombe encore sur des. Pourquoi je m'encore avec des... C'est quoi ça, ce gratte? C'est genre... c'est même pas vétéran, non? C'est grit, ça. Oui, j'ai trois joueurs grit dans mon équipe. Après, je comprends que les parties soient déséquilibrées après, mais... je comprends que les parties soient déséquilibrées, mais... je comprends pas le matchmaking, là. J'ai l'impression qu'il est complètement cassé, le matchmaking, aujourd'hui. C'est bizarre, ça. T'es en quête, sont dans la chance standard. Hello, Profession Bambi. Merci beaucoup pour le follow, Profession Bambi. Merci beaucoup. J'espère que tu seras pas un Bambi dans Unite. Ah bah. Dégage-le de mon trancher, je te dirai rien, Niolo. Là, c'est un bon support, tu me laisses les piques. Enfin, un carapuce, et là, c'est les piques qui tombent le bizarre. Je sais bien qu'on est deux starters de la gen 1, mais. C'est un ordre de priorité, là. Ici, c'est ma zone. Présente ta zone. D'accord. Trop tard. Non. Il veut y aller, hein. Les crapasses de la jungle, il veut y aller. Hein. On prend un bon early, nous, en vrai. Bon, il y a Pikachu, par contre. Je dis on a un bon early, mais ils ont Pikachu. Ils ont un bon early, mais que dalle, il y a Pikachu. Voilà. Et Niolo qui s'est un peu trop avancé. Ah, on peut contre-attaquer, cela dit. La contre-attaque. La contre-attaque. Putain. Je fais gaffe quand même. Bon, lui, il est pas dans le... Lui, il était vu. Ils sont sous leur camp, eux, ils sont sous leur camp. Ah mince, j'ai fait le tranchard alors qu'il y a les abeilles. Je suis un peu bête là. Ça, du coup, je. Bah. Ah, j'ai eu quand même une abeille. Lui, il est mort. Voilà, il va. Ah, ils sont lourds. Hein. Je zone un peu. Hop là, voilà. Ok, je suis lourd quand même. Pas une baie. Ah, mais ils ont déjà pris les baies. Oh. Oh, heureusement que j'ai attiré les crapins, ça. Oh, heureusement que je l'ai tiré dans le bush, sinon il me le volait. Ok. On va juste du coup, j'ai gagné son sou dans ce fleur. On va recommencer avec ce set. Moins de portée, mais bon. Ah, dommage, j'ai pas pensé. Oh, il était revenu dedans. Oh, il était revenu dans mon trancherbe. Ah, ça se joue à rien. C'est dommage ça. Et l'absol qui prend un kilo bot sur le 3 jungler, ça c'est cool. Peut-être avoir une game ok. Peut-être avoir une game ok. Je sais pas ce qui se passe au bot. Je sais pas qui est le deuxième master de l'équipe. Je sais pas si le Tortank qui était marqué en grette ou pas. Après il y a des grettes. Vu que je viens de sortir, il y a des grettes qui doivent être très forts, hein, je vais pas vous mentir. Trop tôt. 30 secondes. 30 secondes avant l'apparition de sbire. Trop joué à LOL, désolé. Des formations professionnelles. Pas tant joué que ça, LOL, en plus. J'ai que 60. On va peut-être descendre là à 18 secondes, on est en retard là. J'arrive. Bon, Carapuce, bonne chance. Hein.
Il m'a vu. Il m'a vu comme. Je sais pas comment il m'a vu. Merde, il a dash au moment où j'ai fait mon Giga Sensu. Ah non, il est vraiment flash lui. J'ai du mal à viser les spells là, c'est compliqué. Petit coup de fouet. Ça se bat là. Il vient de drainer les deux. J'ai l'impression que c'est important d'essayer de toucher les deux camps. Ok, on va remettre. Ça y est, on a danse fleur. Aïe. Je prends 1000 HP quand même sur l'ensoleil. Hein. J'ai pris quoi là? Pourquoi j'ai brûlé? Pourquoi j'ai pris 1000 HP? Il n'y avait pas d'animation? Ah, je pense que l'animation de l'ensoleil a bugué. Non, pas si tôt. Il avait pas déjà le cooldown si. Non, pas... non, c'est pas possible en vrai. Ah, ouais, si c'est fort quand même. Ah, oui, si c'est fort quand même. Bon, là, j'ai grid là. Oh, il a 1 HP le carapuce. Ah, au secours. Bon, on l'aura jamais le Torgamore. Hein. Moi, j'ai pas assez d'HP de toute façon. On aura jamais le Torgamore. Hein. Oh, notre carapuce s'est fait enfoncer. D'ailleurs, c'est toujours un carapuce. Comment ça, c'est toujours un carapuce? Ah, il a FK. Oh. On aura pas de game normal. Hein. Lui, par contre, le carapace, on peut le tuer. Hein. Clairement. Vous avez vu le Giga Sensu sur les abeilles, ça remet full life, hein. C'est incroyable. Hein. Lui, il a bien joué parce qu'il a attendu ma fin de ma danse fleur, lui. Quand lui, il a respecté ma danse fleur par contre. Hein. Voilà. Il a pas respecté danse fleur, il a pas respecté mes mates, il a respecté personne. Par contre, je suis pas niveau 8 là. Ah, je suis pas niveau 9, ça c'est chiant. Je peux le faire, je peux être en faisant un kill sur lui là. C'est bon, mais j'ai pas eu le kill. Yeah. Ok. Ok. Ok, là on va. Il. Il s'en est. Ok, on esquive ça. On n'a pas pu marquer malheureusement. Le motisme a été fait. On va partir sur notre lane, hein. Bon an, mal an. Bon an, mal an, on va repartir sur notre lane. Hein. Bon, là, c'est le Dance Fleur, c'est comme l'exhumation de Krabarak, vous l'avez tout le temps, quoi. Vous l'avez un peu globalement tout le temps, quoi. Ah, bah non. Ah, non, il a repoussé du mauvais côté notre tank, là. Oh là, lui, il fait mal, lui. Il fait mal. Ah, il l'a touché. Allez, Nyolo. Il était FK niveau 4, le Torgamor l'a mis bien après notre tank qui était FK, il est niveau 9, du coup. Il va pas mourir. Pas mal. Effectivement. Ouais, y a plein de Pokémon qui sont forts maintenant. C'est bien, la méta change. Tous les Pokémon sont forts, c'est le début du jeu, c'est l'euphorie. J'ai même pas le Pokémon quand j'ai l'euphorie. Bum, tu m'avais côté Tortank. M'en fous, on bute. Voilà, parfait. Pikachu, il a pas joué. Ah, ils sont 3 morts au bot par contre. Hein, c'est... Enfin, le Tortank était au top, il est mort. Ah, attends. Je fais ça, moi. Mutisma. Fait gros dégâts quand même. Hein. Fait des gros dégâts et vous voyez que ça m'a heal. C'est Danceflare qui me heal comme ça ou j'étais juste déjà heal de base. Bon là on pourra peut-être pas passer. Bien joué à lui. Bel tempo. Bel tempo. Bel tempo encore. Je me heal vite. Faut que je marque. Ok, j'ai pris mon ult, c'est pas grave. Je suis en bas encore, je peux les tuer. J'ai raté mon Giga Sensu, dommage. Dommage. Je peux poursuivre. Hein. Voilà. Voilà la danse floor, ce que ça peut faire. Très drôle hein, comme spell, bien sûr. Enfin, mon soin pas tant que tel. Par contre, Giga Sensu me rend pas mal de PV en vrai. J'ai l'impression que ça me rend aussi des PV sur la longueur. Aussi. Ah, y'a un Torgamor aussi, ils veulent le faire. Bon, sur le timing là, c'est pas fou, mais allons-y, s'ils veulent. Et non mais oui à faire par contre hein. Très honnêtement. Je peux marquer 22 pour me soigner. On n'a pas encore marqué là. Ok, il est mort là aussi. On n'aura pas le temps de le faire je pense.
peut-être que si. Bon écoutez, on fera moins de dégâts à Hector, mais on est en avance. Bon, on n'est pas en avance en fait. On est juste pas en avance en fait. Ah oui. Donc on a fait le Torgamor, on va faire moins de dégâts à Hector, mais on a besoin de le faire. C'est dur ça. Ah merde, ça se bat là. Parce que moi je veux mon niveau 14. Ah, il le fait. Il fait tout seul. Je suis au niveau 14, pitié. Ah mais il me prend l'XP, vas-y. Ah, chaque fois je me fais avoir par le Tortank là. Je vais avoir par le Tortank tout le temps là. Je vais tout le temps avoir par le Tortank là. Oh, par contre, la survivabilité que j'ai. Oh mon Giga Sangsu là. Ah, mon Giga Sangsu qui part pas. Ah, mon Giga Sangsu qui part pas. Mais j'ai attiré l'attention. Notre Pyrobut a fait l'Elector. Et on va marquer 200. Je suis pas certain qu'il survive quand même. Ok, il va lui. Oh, il va mid HP. Oh, c'est compliqué pour le Pyrobut. Hein. Je pense pas qu'il est. Non, il arrivera pas. On a marqué 100, je suis pas sûr que ça suffise, hein, 100, hein, très honnêtement. Oh, notre Tortank. Non, non, ne met pas 50, il va mettre 40. Il va mettre plus. Du coup, il met 50, mais il va mettre 80. Du coup, c'est pas bon du tout. À moins que j'arrive à sauter à temps. Non. Non. Reviens là. Ah, du coup, j'ai pas défendu Ectoplasma. M'en fous. Viens là. Soir. Du coup, bon, on a perdu, je pense. Attendez, avant que j'arrive à marquer d'une manière absolument incroyable. Ok, j'ai mis 50. Il zone bien lui. Giga Sangsu qui revient tout le temps aussi. Hein. Vous avez vu les gros buffs de Giga Sangsu. Tantôt qu'il me met mal. Hein. On va se battre. Hein. On va se battre. Hein. Ah, j'aurais dû se mettre les 5 balles. Bon, on a perdu, malgré l'Elector. NP. NP, c'était une standard. Mais vous avez vu la puissance de ce Florizarre. Hein. Okay. Pour les débutants, on a une liste de 4 émissions chaque jour pendant 7 et on gagne des vêtements, le crabe barrack, on gagne des équipements, mais on gagne quels équipements SVP? Des équipements? Qu'est-ce que t'appelles par équipement? Parce que équipement, ça veut dire beaucoup de choses, Zamisk. Hein. Enfin, équipement, ça n'existe pas dans le jeu. C'est soit des objets de personnalisation dresseur, soit des holoware, soit des objets tenus, soit des objets de combat. Je sais pas de quoi tu parles du coup, Samisk. Je sais pas de quoi tu veux parler à propos de équipement. Bon, vous avez vu, Florizarre, vous avez une survivabilité de fou avec Dansefleur. Et vous avez vu la régène avec Giga Sansou. Allô? Si en plus vous mettez un focus band, mais j'avais un focus band sur cette game ou pas? Je crois que j'avais un focus band. Ouais, j'ai mis les deux gros items plus focus band. Ouais, j'ai mis lunette choix, lunette spec et focus band. Et je vous avoue que le focus band à la fin, bah je... Oui, merci. Merci monsieur le focus band. Et yo Pandalou, ça va bien? Et yo Evan le Tug. Oh, bah. Oh là là, l'enchaînement. Merci beaucoup les potes. Et yes, pour l'exclamation YouTube, si vous voulez les tutoriels, bien sûr. Bon, ça va. Cette game, il faut que je me remette bien là. Ce soir, je sens que je suis trop énervé pour jouer à Unite. Mais c'est bien, c'est les petites games tranquilles. Hello Sukuna. Oh là là, l'enchaînement. Ça enchaîne. Non, pour l'instant je joue en solo, Pandalou. Pour l'instant je joue en solo. Pour l'instant. Pour le moment. Point d'exclamation, je veux jouer bien sûr. Go retester Florizarre ou go tester Flambubu? Non, bah on me laisse pas Flambubu, donc je vais retester Florizarre. Du coup, c'est bien ça, j'avais le focus band. Hein. Donc, si tu commutes le focus band avec la survivabilité de Giga Sansu, plus après les dégâts des lunettes choix, plus des lunettes spec. Il faudrait que je monte niveau 1. Ils sont même pas niveau 20 les lunettes choix. Hein. Et je vous avoue que le fait de. Déjà, vous avez vu, je monte de 50 mon attaque spéciale juste de base, plus 7%. C'est 50 attaques spéciales. Florizarre est le Pokémon qui a le plus d'attaques spéciales du jeu. Plus 7%. Plus les nuées de choix. Ou plus l'attaque spéciale du Pokémon est élevée, plus l'augmentation augmente. Donc là, Florizarre est l'attaque spéciale de fou. Ouais, il y a de quoi faire très mal avec Dansefleur là. Et le Mando. Et le Mando qui m'apporte un petit peu de survivabilité. Et surtout qui me permet de full régène avec Giga Sansu. On va retester. Et on va aller au top pour ça avec un Absol. Ah non, on a encore Absol Flambuzard. On a encore Absol Flambuzard.
chance. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance. Hein. Et encore une fois, on est avec un beginner. Là, ça y est, là, avec le portrait gris, c'est ça. Et on a un Grit, du coup. Bleu et rouge, c'est Grit. Oui, c'est n'importe quoi le matchmaking, je trouve. Il y a des mémères bizarres là. Ouais, c'est pas normal qu'en master tu tombes avec des beginners quoi. Giga sans sous. Bah ouais, Giga sans sous. Vous dites quoi? Vous dites quoi, Giga sans sous? Vous dites quoi? Vous dites Giga sans sous? Moi, Giga sans sous. Attendez, on va aller sur Google Trad prochainement. On va aller sur Google Trad prochainement. Vous dites sans sous, vous? Vous faites l'effort de dire sans sous? Ah, vous savez, moi je suis vieux, hein. Je suis plus l'effort, hein. Sans sous, hein. Giga sans sous. Ouais, sans sous. Méga sans sous. Ah, moi je disais sans sous en plus. Tu vois, je dirais méga sans sous. Je dis méga sans sous et giga sans sous. Giga sans le sous, c'est moi aussi également. Giga sans le sous, giga pauvre. Oh, bonsoir messieurs. Je sais pas. Ok, ils m'ont. C'est une lane expérimentée, hein. Ils sont fourbes, hein. Ils sont fourbes, mais. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait mon Absol? En plus, ils sont trois, mais. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Oh, encore une game qui ressemble à rien. Allez, focus. On s'en fout, on chill, on est en standard. Giga sans su. 1 giga sans su. 1 moi, genre, je dis giga sans su. Méga sans su. Volvi. Volvou. Ils sont 4 sur la lane, mais. Mais. 4 sur la lane et ils vont me laisser les abeilles. Vous allez voir. 4 sur la lane, ils vont me laisser les abeilles. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans cette game là? Ah, j'ai pas eu. J'ai pas de flash, faut que je m'en aille. Encore pris cher. Qu'est-ce qui se passe dans cette game quoi? On va s'empêcher de faire le cap humain pendant qu'ils sont occupés avec Rapince là. Voilà. Bon, c'est objectif survie là. Je rappelle qu'ils sont 4 sur la lane, nous on n'a pas de jungler, enfin c'est. On a un Absol de lane qui est en fait en jungle et en fait c'est un Lucario et en fait laissez tomber. En fait laissez tomber, mais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens FK, des gens qui découvrent les commandes. Des beginners au milieu de cette game aussi, je rappelle. Enfin c'est. Il se passe des choses. C'est assez concept. C'est conceptuel les standards en ce moment là, c'est. Waouh! Ok, est-ce que je peux jouer juste une game normale de Unite s'il vous plaît? J'ai 170 heures de jeu, laissez-moi jouer des games normales! J'ai le droit! Mais j'ai le droit! J'ai aucun droit pour moi. Bon, j'ai flash Unigosé, j'ai rien à foutre. Mais. Stop. Stop bullying. Bah. Bon, t'appelles Lucario, écoute, hein. Il est FK, on a un FK dans le game, écoutez, ça passe. Allons-y. Ouf! Déjà vous, regardez-moi ce Florizarre si rapide quoi. Et vous savez, quand vous prenez genre quand vous faites votre ult et dans ce floor après, vous allez à une vitesse. Regardez-moi ce Zeraora. La vitesse à laquelle ce Zeraora va être. Détruit. Ah non, j'étais. Pas cool ça. Ah non, j'ai pas de flash! M'en fous, j'ai dans ce floor. Ah, j'ai pas réussi à faire le kill là vraiment. Ah, mon focus bond à proc, dommage. Je prends un truc de heal encore. J'arrive. Je suis arrivé, ils étaient stun au bon moment. Bon, on va peut-être faire le Torgamor un jour là. Ok. Merci beaucoup Talizo pour le follow, merci beaucoup. Attends, on va peut-être faire attention à pas se faire voler quand même. Hop là, on évolue. Plus le Motisma. Ils ont un AFK, donc bah la game est. La game est. Voilà. Ah, il est de retour. Il est de retour. Il est de retour. Il est de retour. Oh, quel... Faut que je recut ça parce qu'il y a le OK à chaque fois qu'on entend. Ça me trigger. Leonic Masters, bonjour, c'est de la standard? Oui, c'est de la standard. Genre, du mal à regarder la minimap, elle est pas là pour décorer. Ah oui. Mais ils ont pas regardé ma vidéo de guide pour bien débuter, hein. C'est tout. Sinon, ils le sauraient. Mais oum. Il le saurait. Ah, je l'ai eu. J'ai même pas ult.
Même pas besoin d'ult, pas besoin d'ult, regardez. Hop là. Pas besoin d'ult. Pas besoin d'ult. Pas besoin d'ult. 2v1, Lucario, Zeraora, sans ult. Pas besoin d'ult. Pas besoin d'ult. Pas besoin d'ult, j'ai dit. Pas besoin d'ult. J'ai mes mates. J'ai mes mates. Bon, lui, il est pas rentré. Ah, peut-être bien joué à lui. Bien joué à lui, la puissance est d'elle. Eh, hey, attends, ça survit là-haut. Non, il survit plus. Ah, au secours. Il a pas essayé de se marquer le Zeraora. Ah, il est pas critique. Ah, j'aurais pu ult en fait. Je me dis non, pas besoin d'ult. Je me dis, je me laisse mourir, pas besoin d'ult. En fait, j'aurais dû ult. Après, je joue pas body barrière, donc en vrai, j'aurais ult, je serais mort quand même. C'est vrai que la body barrière, je me rends compte maintenant que je joue 100 pour une première fois, tu vois. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est bien quoi. Genre, ça assure des ults quoi. Genre, sinon, tu peux pas quoi. Putain, mais ça va tout le temps. Attends, ça est revenu. Non, c'est bon. Oh les gars, ça fait mon ultima quand même. Hop. Torque mort maintenant à faire. On y va, on est l'homme à tout faire de l'équipe. Enfin, le Florizard à tout faire du coup. La plante à faire de la plante à tout faire de l'équipe, c'est parti. On est de la plante à tout faire, les gars. Les gars de Talonflame, ouais, c'est pas mal. On teste ça, Sukuna, il y a des choses. Il y a des choses. Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Là, par contre, il y a ulti Nicosia. On n'a pas eu. J'ai ulti, je suis mort instant, on n'a pas eu le Torgamor. Yes! Bah, very cool. Après, c'est vrai qu'on a tenté 2v5 là. J'avais pas vu qu'ils étaient 3 au top à se dire, moi, le Torgamor. Mais pourquoi faire un Torgamor? C'est pas comme s'il y avait un youtubeur français qui avait fait une vidéo traduction d'un guide officiel du jeu et qui avait marqué explicitement que bah, il faut faire le Torgamor en fait. C'est obligatoire. C'est plus important que le Motisma. Mais non, heureusement que ce genre de guide n'existe pas quoi. Sinon, ils le feraient, ils auraient vu la vidéo quoi, forcément. Ha ha ha! Ha ha ha! On se gosse! Non, il faut chill, on est en standard. Après, non, par contre, ce qui m'énerve, c'est que c'est le matchmaking. Pourquoi j'ai des débutants? Parce que autant il y a des débutants, tu vois, c'est des mecs super chauds, ils débutent sur mobile, mais ils sont quand même super chauds. Là, tout à l'heure, le Florizard de tout à l'heure, qui est beginner, c'était un Florizard beginner quoi. Il est tombé dans une game au milieu de Master. C'est ni drôle pour lui, ni drôle pour nous. Ni drôle pour les adversaires d'ailleurs. Enfin. Je comprends pas. Je ne sais pas. Là pareil, ils avaient un effet tout à l'heure, du coup là la game on leur roule dessus. Après ils jouent bien quand même. Bon, hein. Ils sont deux au top là, c'est le moment. Bon, je prends la max là. C'est pas terrible. Ah bah il y a des ults là. J'ai tout pris. On a voulu avancer, je sais pas trop ce qu'on a fait. Bon, c'est ma faute. Tu joues sur la version mobile? Non. Ah non, tu peux le savoir à l'interface. On regarde l'interface du jeu. C'est pas l'interface du jeu mobile ça, Sukuna. C'est l'interface du jeu Switch. Pas du jeu Switch ça. Et non non, j'ai config l'émulateur et tout pour jouer sur mobile, mais en fait comme je disais, mon laptop se fait vieux, il a bientôt 3 ans et il a des problèmes de surchauffe. Maintenant dès que je joue à n'importe quel truc en 3D, ça surchauffe et même un émulateur, il est largement mon PC capable de faire tourner l'émulateur mon PC, mais juste il surchauffe et du coup je peux pas streamer parce que je suis en diaporama quoi. C'est un diaporama, c'est la surchauffe, ça fait que je suis à 15 FPS et un petit comprendre faut une place là. On n'est pas niveau 13 là, j'aurais bien aimé avoir mon dance floor plus là. Bon, je saute, rien à foutre. Ils ont forfeit? Mais c'est même pas drôle! Bon. Bon, on n'aura pas le droit de s'amuser dans cette game. Ah, les games ce soir, C'est dur pour Pumpkin Man. Non, Pump Evan maintenant. C'est Pump maintenant. Ça me fait très bizarre de dire ça. J'ai un peu mal de dire ça. De corriger les gens. En plus, t'as bien écrit mon pseudo. Enfin, t'as bien écrit Pumpkin Man. Mon ancien pseudo, du coup. T'as bien écrit Pumpkin Man. Mais d'ailleurs, du coup, ce sera encore Pumpkin Man en jeu à l'infini, quoi. Mais ça, c'est pas grave. T'as bien écrit Pumpkin Man, en vrai. C'est beau. Après, je dis ça change. Mais c'est comme des youtubeurs qui raccourcissent leur pseudo. Et ça reste le même. Par exemple, Linka. Linkamion. Il s'appelait Linkamion. Maintenant, il s'appelle Linka. Mais sur Twitter, c'est encore Linkamion. Il y a encore Linkamion partout. Mais c'est Linka, quoi. Moi, c'est pareil. C'est Pump, il va y avoir Pumpkin Man un peu partout, mais c'est Pump et les gens vont m'appeler Pump. Je sais que les gens ne vont pas m'appeler Pumpkin Man, parce que c'est mille fois trop chiant. Bon bah on n'a pas le droit de s'amuser dans les games là ce soir, c'est pas cool là. Bon moi je suis négatif là, je suis négatif, je suis trop négatif. On va tester un peu quelques games. Bon, de toute façon je devais faire un stream court, que je vous ai dit.
J'ai streamé, je pense, jusqu'à 20h30, grand grand max, à plus 20h15. C'est vrai, ton gamin, c'est pas ouf, bien sûr. On le sait. Ah, c'est vrai que ça coûte 100 gemmaos ce changement. Et on rigole, mais je suis à deux doigts de le faire. Après, je sais très bien que pump, PUMP, c'est pris. Parce que je me rappelle, avec mon smurf, j'ai essayé, c'est déjà pris. Donc, je vais payer 100, je vais vous. En fait, je me demande, est-ce que tu peux tester le pseudo avant de changer? Parce que si tu peux pas tester si le pseudo est disponible avant de changer, t'es U. Tu es U. Après, je suis un peu bête parce que c'est vrai que j'ai réservé le pseudo Pumpkinman alors que j'étais vraiment. J'ai lancé le jeu à 9h0. Il sortit à 9h, le jeu à 9h01 et une seconde, j'avais mon compte. Du coup, j'aurais dû réserver le pseudo Pump. J'aurais dû me douter que. Ah merde, putain, j'ai fait flèche gauche et le mec voulait champ buzard. Fais chier. Je voulais garder champ buzard. Oh. Bon, on va essayer d'avoir une game normale. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une game bien? Allez, au bot là pour changer là. Oh, le bot pour changer là. Oh, on a un Flagados potion, on a un Lucario vitesse plus, ça veut dire que c'est pas master. En vrai, je suis sûr, on va repartir. Mais même en ranked tout à l'heure, c'était bizarre les games. En vrai, on part en ranked 600. Oh, mais encore, regardez-moi ça, il y a encore un Gret et un expert dans la team, la game là. C'est agaçant ça. Encore les ultras, je veux bien, mais. Après, les 100 gemmaos pour changer de pseudo, ouais, bon, je peux comprendre en vrai. Mais si j'avais un pseudo que je voudrais, je serais prêt à le faire. Après, là, j'ai Pumpkinman, je suis content. J'aurais pu réserver Pump en vrai. Trop tard. Pumpkinman, c'est bien. Bon, on va essayer de passer une bonne game. On va essayer de détruire la game. En vrai, j'ai envie d'aller en jungle là. Parce que là, j'en ai marre. Je vais essayer d'aller jungle. Je sais pas qui va jungle, mais j'y vais. Bon, il y a un Flambuzard et un. Ils sont deux à vouloir aller jungle, bon, ouais, c'est bon. Allez, c'est bon, j'ai compris, je suis un mec bien. Vous savez pourquoi je joue plus jungle? À cause de ça. Parce que je suis trop gentil. Je suis trop gentil. Je laisse tout le temps la jungle, c'est le rôle le plus cheaté dans Unite. C'est le rôle le plus cheaté dans Unite, la jungle. Mais je la laisse tout le temps parce que, ben... parce que je suis trop gentil. Ok, il a déjà flash, lui. Ça va. Ah, mais il est mort lui. Con ça. Eh non, t'as voulu scorer. Sauf que moi je suis resté. Il a cru que j'allais me heal. Ha! Pas du tout, grave erreur. Mon jungler arrivait. Certainement pas. Bon, Brand, s'il pouvait nous laisser. Mec, tu me prends ma jungle. Laisse-moi au moins. Mais non, mais oui. Le mec prend la jungle alors que je vais y aller. Et... oh là, par contre là. Complicado là. Heureusement qu'on a les dégâts d'un. Ok, c'est bon. On va pas faire les abeilles, on va juste faire lui là. Ok, c'est bon. Bon, les dégâts de l'oiseau là. Bien sûr. On va marquer les 10 là. Ah, il me l'a volé encore. En ce cas agaçant, c'est que du coup, là, déjà c'est un jungler, le mec censé être super fort, et en plus il prend notre lane quoi. Du coup, c'est lui qui va être la game, et moi je vais juste être un support quoi. En plus, j'ai pas de flash. Je suis mort. Si je fais ça, je suis pas mort. Non, mec. Fou, j'y vais, hein. Il se soigne pas. C'est pas soigné, il est pas allé en ligne droite dans son round scoring. J'hésitais à flash, hein. Je voulais garder mon flash. Je pensais qu'il allait pas y aller. Ah, il l'a eu vraiment. Par contre, le Giga Sangsu m'a mis bien là. J'ai mis deux cibles dans Giga Sangsu. Plaisir. Hein. Il est fou ce Levenor. Oh là, ils sont deux là. Par contre, il fait quoi le Ramos là? Il a cru que c'était la foire à la saucisse ou. Aïe, ah bah je suis mort. Oui, c'est tout ça. Ah, je suis trop avancé. J'aurais pu être niveau 7 et avoir mon danse fleur, mais mon Flambuzard m'avait volé les. Non mais oui. Ah, je vais pas en démordre, hein. Je vais pas en découdre ça. Hein. J'en ai marre, j'ai envie de jouer jungle les gars. J'ai envie juste d'aller en jungle. Prochaine game on va jungle. C'est bon, j'en ai marre.
Prochaine game, on va jungle. Je sais pas ce qu'on fait, on prend Dracaufeu, on prend. On va jungle. On a rien à faire. Bon, ils vont. Ah, ils les détruisent en fait. Il y avait le temps, mais. C'est bon, pas. Bon, bah. Pourquoi y'a personne là? Pourquoi on est au top là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux juste survivre? Non. Bah, yes. Hein. Encore une bonne game hein, où je dois subir la malaine. On va jouer jungle prochaine game, les gars. On va jouer jungle. Hein. Là, ça me frustre là. Là, ça commence à être insupportable. Non! Possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Pas vraiment de fun. Quitte à jouer avec des mates et des adversaires qui sont pas au niveau. Enfin, qui sont beginner et great. Autant dans le jungle. Même si je suis pas le bon jungler, mais je suis pas bon jungler parce que je joue pas de jungle. Faut que j'apprenne. Faut que j'apprenne. On a perdu là. Là on peut les bon, là on peut faire des gros dégâts là. Là on peut les heal, on peut les giga son sous, on va le dance floor lui. Il peut tous nous baillement. Hein. Il a rasé son baillement, c'est dommage ça. On the sleep. Oh il l'a poursuivi là. Ok parfait. Il y a un kill de fait là-bas aussi. Et Torgamor dans 25 secondes, on va backer ce heal. Ok. Tu sais que j'étais Tacos avant, t'es pas le seul à changer de pseudo. Ah ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Evan le Tug avec un EUG, TEUG. Est-ce que ça fait Evan le Tug? J'aime pas du tout. Oh, par contre, je suis solo là. Ça aura, il me one shot. Hein. Qu'est-ce qu'il vient de Spectrum d'ailleurs? Il est dans la game, Perversus, il existe. Je crois qu'il existe dans la game, c'est tout. En gros, se battre. Hein. Oh, il a tout pris là. Oh, lui, le Fagados qu'il a pris, lui là. Bon, il faut le choper là. Ok, là, il m'a ult, mais pas du bon côté. J'essaie de tanker. Hein. J'aurais peut-être pas du flash. Je savais que j'étais mort, j'aurais pas du flash. Ah, notre flanc bizarre, il a pas essayé de marquer. Ah bon, il a pas essayé de marquer? Ouah, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Et toute la famille bien vue au Floriza. Enfin, bien vue au flanc bizarre, sinon il serait bien mort. Bon, bah, énorme game. Hein. On va repartir farmer. Hein. Suraine encore. Hein. Bon après les votes de Suraine, si vous ne votez pas, ça compte comme non, donc autant ne pas voter. Autant ne pas voter, comme ça le cooldown de Suraine, le cooldown pour reproposer un vote de Suraine sera plus long. Encore. Il était seul à proposer un Suraine là. Hein. Je pense que c'est de l'octoplasma, il doit passer une mauvaise game. Niveau 13. Je m'en fous, je le détruis. Ils sont 3 là. Il a une slip, ok. Il a re-ult à 3 minutes. Dommage pour lui. Il a un gros fail de sa mère, lui. C'est ult sur Motisma. On peut pas le Motisma qui nous fait des gros dégâts quand même. Hein. Trop Flambuzard fait les kills. Flambuzard c'est devenu tellement fort. Hein. C'était déjà quand tu vois le patch note, tu savais que ça allait être fort, mais alors là. Hein. Oh, on a Danseur Plus du coup, let's go. C'est bon, Danseur Plus. C'est bon d'aimer le foot. Désolé, j'ai trop regardé la Ligue 1. J'ai trop regardé la Ligue 1. C'est la pub Uber Eats. Vous avez la ref. On va pas faire le. J'encourage pas à faire le Torgamor sur cette timing de 2.34. Car vous le savez, vous faites le Torgamor, vous faites moins de dégâts à l'Hector. On sait pas exactement comment ça marche, si c'est les boucliers, si c'est un timer, si. Mais. Ça existe. On a le buff bleu. C'est vrai qu'on a le buff bleu, c'est pas mal ça. Oh, dans ce leur buff bleu, incroyable. Ah merci. Au niveau 14, il y a lui là. Oh, il a disparu. Le 0-1, il a pas eu le droit de. Oh là. On a pris un violent ulti là. Faut aller chase là. Bien joué au flanc bizarre. Non.
multiplie. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai pas le. C'est vrai que je n'ai pas la buddy barrière. C'est vrai que je n'ai pas la buddy barrière. C'est vrai que la buddy barrière n'est pas jouée par le joueur français. C'est vrai qu'on voit la différence de la buddy barrière. Ah ouais, c'est vrai que la buddy barrière, c'était le truc, tu t'appuyais sur ta capacité unite, tu survivais quoi. Ah, notre flambe bizarre qui fait une grosse erreur, qui va aller marquer 100 points au lieu de faire l'élector. Après bon, j'ai aussi foiré mon teamfight, mais s'il arrive à le voler, c'est un génie. Non, et c'était prévisible. Puis ils ont les body barrières et tout là. Essayez de moins. Ah non, reviens là. Voilà. Faut juste faire le drac au feu là. Bon. Est-ce qu'on peut avoir une vraie game hein, un jour? Grande question. Mais bon, Flamberizard ça reste très fort. Hein. Danseur sans sous. Ah, on n'a pas su rendre. Ah, le jeu a pas envie que je joue ce soir. Hein. Le jeu il me dit ferme le jeu. N'arrête de jouer. Ah. Il a fumé du ventre. On fout. Il faut qu'il fasse des dégâts lui. Ils sont 3 morts. Ils sont 5 morts. Ouais, 10 secondes. Est-ce qu'en 10 secondes j'ai le temps? Est-ce qu'un Florissard a le temps? Allez, 5 secondes. On peut le faire. On peut le faire. Accélère. Oui, ah, il va aller chercher. J'ai touché. Je l'ai pas touché, mais si je l'ai touché. On perd pas grand chose en plus, hein. Mais bon. Bon. On va flambuzard jungle only et on va se concentrer pour faire une bonne game. Ou alors on se déraura. Non, go flambuzard. Go flambuzard. En plus, c'est le premier Pokémon vu que c'est celui que j'ai choisi au début. Donc, comme ça, dès que je lance la Q, ça va me mettre sur flambuzard. Et comme ça, je pourrai le sélectionner instantanément. Après, des fois, une fois, j'ai voulu jouer flambuzard. Et quelqu'un avait réussi à le pick avant moi. Ça veut dire que quelqu'un avait chargé le lobby plus vite que moi. À l'époque où le jeu était uniquement sur Switch. Donc un moi qui suis sur Switch, un joueur sur Switch, a chargé le lobby plus vite que moi. A eu Flambuzard. Alors que j'ai rien pu faire, hein. J'ai même pas pu toucher, j'ai même pas pu essayer de sélectionner plus vite. Ça m'avait frustré. C'était frustrant. Hop, on va dans la jungle, on joue bien un griffe rasoir, on joue bien... Le muscle band. Et je suis à deux doigts de pas jouer Scorch Shield en fait. Après, si je joue pas Scorch Shield, qu'est-ce que je joue? C'est bien Scorch Shield quand même. Bah, body barrière. C'est vrai que la body barrière elle m'a manqué. Hein. Tout à l'heure elle m'a bien manqué la body barrière. Après, est-ce que Florizarre a besoin de la body barrière? Est-ce que Florizarre a besoin de survivabilité au moment d'envoyer son ult? Est-ce qu'on mettra pas plutôt le Protect Score qui permet à Flambuzard de marquer super vite parce qu'il a 5 étoiles en scoring? Je pense que si. Après il y a le bandeau muscle, après il y a la griffe rasoir, après la famille. La famille de la griffe rasoir. Et bouton fuite, et blanani, et nanana. Paf. C'est choisi. La griffe est bien, ouais. Webdems. Bah là de ce que je vois, oui. Tout le monde m'a dit oui, j'ai essayé, effectivement c'est bien. Encore ce matchmaking bizarre avec un vétéran et un expert. Je sais pas ce qui se passe. C'est le matchmaking un peu aux fraises avec la sortie mobile, je sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qui se passe à ce niveau-là. Pour Zeraora, je pense que c'est fort effectivement la griffe aussi. J'ai pas testé, mais je pense que c'est fort aussi. C'est un des premiers Pokémon à qui j'ai pensé Zeraora quand j'ai vu l'item. Et je pense qu'effectivement c'est fort dessus. Ok. Bon, on a dit qu'on irait jungle, on va pouvoir jouer jungle et là un peu de tryhard là. Là j'ai envie de faire une belle game là. J'ai envie de faire une belle game là. Viens là toi. Allez. Ah. Mais pourquoi il... J'ai fait flèche de gauche vers la gauche, pourquoi il est parti du mauvais côté? Agaçant ça. Du coup j'ai pris des dégâts. Ah faut pas que je tombe. Ah quoi. Pouf. Du coup vu que j'ai griffe rasoir, faut bien que je pense à faire genre pique, attaque de base,
aquatique et attaque de base. On va faire même pas optimal. Ça va le faire quand même. Il y a un Crabarak, ça va être chaud à. Il y a un HP lui. Il a un HP. Ah, il a un HP, je vais pas y aller, il y a un trancherbe. Ah, dommage, le pyrobut à back là. Ah, dommage que le pyrobut est back là, parce qu'il y avait clairement. Bon, je le taxe du coup. On fout, je le taxe. C'est vrai qu'il y a les abeilles. Attends, mais les abeilles. On travaille un peu. Hein. On ne pas de HP. Hein. Allez, suivez-moi. À l'attaque! Elzera va faire mes buffs. Non, dégage, laisse-moi-le. Dégage. Laisse-le-moi. Il va vraiment le faire là. Ah, merci. Il veut juste m'aider, ça va, il était poli. Laisse-moi mon farm par contre. C'est incroyable, je me fais tout le temps voler mon farm. Et j'ai encore fini une recharge. Je me fais côté. Mais va défendre Zeraora au lieu de faire la jungle. Va défendre. Aide ton. C'est agaçant. Mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi là? Il est Lucario AFK, c'est la journée. Faut le taper lui. Hein. Hop. Oh, les gars, je peux mettre quoi? Oh, il y a 9 points, on va le mettre vraiment à rien du tout quoi. Bon, est-ce que je peux counter jungler en vrai? Oui. Bonsoir. Eh non. J'ai baited. Eh oui, mon petit pote. Tu sauras maintenant que dans les duels de flammes bizarres, faut ulti après. Est-ce que je peux les. Oh, je peux les. Oh, je peux les détruire là. Oh non, non, j'en ai aucun des deux. J'en avais aucun des deux, c'est gênant. C'est gênant de fou. Ah, oh, c'est gênant de fou, j'en avais aucun des deux. Oh, je m'en fous. Tant pis. J'en voulais. Hein. Oh non, j'avais un double kill, j'en ai aucun des deux. Oh, j'étais si nul. Ah, puis il y a le Torgamor. Bon, on va faire fast Motisma. Go faire fast Motisma là. Go, qu'est-ce que vous faites, les potes, aidez-moi à le faire. Bon, après, je fais tellement de dégâts. Regardez-moi les dégâts que je fais par contre. Regardez-moi les crits que je mets et tout. Je vais pas prendre back par contre. Ouais, il l'a du coup, forcément. Ah, je suis pas dans. Je me concentre un peu là. Ah, j'ai pris vraiment le pistolet. Là. Ok, on se reconcentre. On essaie de détruire la game maintenant. Là. Parce que là, avec, en fait, le problème c'est que tout ce que j'ai fait en early, bah, avec le Torgamor, ils ont tout repris. Le retard que j'ai pu leur mettre, les kills que j'ai fait en early, le Motisma, le Campri, ils ont tout rattrapé. Par contre, là, je peux le tuer lui. Hein. On en fout. Ah non, c'est. Ok, on va juste back. Ah, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de camp scoring là. C'est vrai qu'on peut pas. Ah, il n'y a pas le boost. Je peux pas me heal du coup là. J'ai rien à faire, il n'y a pas de farm, je peux pas y aller, j'ai pas de soins. Zora peut s'en sortir. Attends, ah, il veut pas s'en sortir là en vrai. Ah, le bâtard. Il arrête cette kinésie. Tout va bien. Il m'avait un bien ce bâtard quand même. Hein. Ok. Ah, mais je suis con, j'ai oublié que j'avais pas ma. J'ai pas de buddy barrière. C'est vrai que buddy barrière c'est bien. C'est vrai que là, le score shield m'a servi à rien pour l'instant, alors que la buddy barrière m'aurait sauvé. Alors, ces objets très fort, avec Griffasoir. Fort. Après, attention, on est qu'à 2 jours, mais Griffasoir fort. Lunette choix fort. Ah, je fais le buff rouge avant le buff bleu. Ne faites pas ça, les enfants. Et le dégât que je fais quand même. Hein. Buff et vite instant direct. Là. Buff et vite direct Torgamor là. En plus, on a 2 kills là. Est-ce que je vais faire un Torgamor? Ça fait 3 games que je joue Florizard, non, 2. Et je fais aucun Torgamor. Je n'ai eu aucun Torgamor. Donc, on va se calmer. On va commencer à les faire. J'ai besoin d'aide là. Non, ça pousse la T2, arrêtez. Après, je peux l'instant. Hein. Franchement, le Torgamor, je le fais tout seul. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous dis que je le fais tout seul. Hein. Quand je vous dis je le fais tout seul avec le muscle band, je vous mens pas. Hein. Franchement, je vous mens pas. Hein.
Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que tu fais toi? Bonsoir. Ah non, je l'ai raté lui. Ah mais oh, j'ai tout raté. Ah oh, j'ai vraiment oh, j'étais nul là. J'ai un kill. J'ai zéro kill là-dessus. Oh, j'étais nul. J'ai voulu viser le Krabarak alors que. Mais il faut que j'arrête de viser les Krabarak, ils esquivent trop. Ils esquivent trop bien, ils ont trop de move speed. J'étais un peu nul là. Ça passe pas, monsieur Foriza. 3 piques. Pique, c'est bon, ça serait le moment d'aller scorer, mais du coup, non. Du coup, je score pas beaucoup hein, en fait. Je score pas beaucoup. Hein. Après, je score pas beaucoup, mais j'ai pris le Torgamore. Mais je score pas beaucoup quand même. On va scorer un peu plus là. Surtout que je peux avoir un niveau 13, c'est bien. Niveau 14, c'est cool aussi. Bonsoir. J'ai déjà mon ult. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'elle se fait cancel mon ult. J'ai esquivé la télékinésie un peu là. Hop. On m'a mis cher quand même, hein, le salaud. Hein. Je grid un peu. Est-ce que je peux pas mettre de grid là? Ils sont 3 là. Ah non, mais c'est bon, ils peuvent pas défendre là. Non, laissez-moi marquer. Continuez comme ça. Mais c'est bon. Il m'a laissé marquer. Quel bro. Ah, oh, le Pikachu il m'a laissé marquer. Quel bro. Vraiment un bro ce Pikachu. Ah, les abeilles. Tant pis. Les phases avec du bas s'ils ne sont pas faites. Bon, je suis mine HP, je prends en gros des gros risques là. Hein. Ouais, je prends des gros risques là. Je prends des très gros risques. Obligé d'ult. Je prends des très gros risques, je le savais. En plus, j'ai fait n'importe quoi. Je le savais, tu sais, je me mets en mode non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi je vais à l'abeille? Ils sont forcément aux abeilles, je peux pas aller 1v2. J'y suis allé. Je le savais pertinemment. Je vais leur laisser le Torgamore. On purpose. Parce qu'on a pas besoin d'XP, on a pas besoin de. La value du Torgamore est plus faible en, à la fin et j'ai pas envie d'avoir moins de dégâts sur mon Elector. Par contre, en 10 secondes, on peut faire le. Motisma, non. Certainement pas. Par contre, il y a un. Ils sont deux. Ils sont deux. Dernière ligne droite. Continuez comme ça. On va clear ça. Pikachu qui attend en défense. Les deux qui sont là, là. Oh, ça, regardez-moi ça, ce tryhard. On est tous en position là. On est en position de trap. Il y a comment que je suis mal placé. Par contre, c'est compliqué là. Oh là, c'est compliqué lui. Hein. Je fais des monstres là par contre. Ah, on va pas se prendre ça. Mon ZR. J'ai encore fait mon ult alors j'avais un HP. C'est les regrets de la body barrière ça. C'est la body barrière. Ah non, c'est dommage, notre Florizarre avait super bien tenu et j'avais mis des dégâts et en fait j'ai pas pu follow up et c'est vrai que les deux sont restés cachés dans le buisson et on perd la game là-dessus. On va vraiment perdre la game là-dessus. Bah ouais, on perd la game là-dessus là. À moins que les Florizarre fassent un monster kill. Continuez comme ça. Ce qui m'étonnerait. Je pense pas comment il puisse les tuer. Ah, c'est loose là. Bon, moi je suis Florizarre. Attends, je peux tuer le Ramolos lui. Ah, c'est déjà ça. Vous avez marqué 100 et tout. Peut-être essayer de les marquer 23 en vrai. Je pense ça pourrait aller plus vite. Je vais faire ça parce que j'ai score shield aussi. Tous les points marqués peuvent être importants. On va les marquer 14. On va essayer de les marquer 14 devant leur spawn. Tous les points sont importants. Raté. Je vais marquer encore 6 points. Je dis pas non. Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé. Alors voyons voir. Ok, ça passe. Florizarre a pas marqué, je crois, à la fin, mais on avait assez d'avance. Malgré l'Elector, et heureusement qu'on a buté le. Qu'on a regardé notre minimap, qu'on a vu le Flagados au bot et qu'on a allé le buter quand même. Heureusement qu'on y est allé, les petits potes. Heureusement, on a mis tant que point ça, 170. Parce qu'on n'a pas mis 100 dans la fin, non. Alors on a juste marqué régulièrement, avec un bon early, plus la fin, on a mis les 28. Let's go!
La griffe rasoir sur Pyrobut ça pique. Oui, oui. Si... Tout le monde dit ouais, Pikachu c'est fort, machin c'est fort, tel Pokémon c'est fort. S'il y a bien un Pokémon qui est vainqueur du patch, c'est Pyrobut. Hein. Pyrobut, griffe rasoir avec sa Pyroball, désormais il détruit tout. Hein. Pyrobut il est incroyable. Hein. Pyrobut est redevenu très très fort avec la griffe rasoir. Et merci Chapino. Même la Vulné, je la trouve pas si forte. La Vulné Assurance, ouais, c'est peut-être le moins cheaté des trois, je pense. J'ai pas vu ton. C'est Tarambule. Tarambule, Chapino, je voulais dire. Tarambule, bien sûr. Et quelle heure là ? 56, on peut refaire des petites games là. On peut tester des trucs là. J'ai un petit lag là, j'étais pas à 60 FPS. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, hein. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Tarambule, c'est ça. Ouais. Le fameux Tarambule, starter de typo. Qu'est-ce qu'on joue cette game là ? J'ai envie de repartir jungle parce que j'ai mal joué ma jungle et j'ai envie de mieux la jouer là. Je pense que je peux mieux jouer mon Flambusard. Je pense que je peux mieux jouer mon Flambusard, donc j'ai envie de repartir sur Flambusard. Je vais renforcer la jungle. Allons-y. Je vais renforcer la jungle. Si la game veut bien se lancer un jour. Si la game veut bien se lancer un jour. La journée ne s'achève pas. 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 Ne s'achève pas. Oh, il a mis oui au dernier moment, vraiment. Vous voyez ? J'ai rien touché, hein. J'ai rien touché. Et regardez-moi ça ! Le mec a enlevé son Flambusard et c'est un autre mec qui a pris Flambusard et pas moi. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Je dirais même plus. Ah ! Crucifié ! Crucifié ! C'est incroyable, ça. Je suis sur le Flambusard depuis tout à l'heure. Il y a un autre mec avant moi et un deuxième après. Et en plus, il va pas jungle. Oh, j'y vais. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Oh, Maconnier jungle. M'en fous. Laissez-moi dans ma jungle. Laissez-moi dans ma jungle. J'ai pris Vulné Assurance. Ouais, on peut tester Vulné Assurance sur le Maconnier. Ouais, go tester. Testons Vulné Assurance sur Maconnier. Testons Vulné Assurance sur Maconnier. Parce que si ça monte son attaque avec l'antiscope, ça monte les dégâts qu'inflige les coups critiques. Et vu qu'il fait énormément de coups critiques, Maconnier, ça peut être pas mal. Tout ce qui est physique doit être joué croc. Un peu vrai. À quoi une vidéo tier list perso ? Hello Zarkas déjà ? Et c'est vrai que je pourrais en refaire une en vrai. Après, si je la fais, ce sera en live. Donc vous pourrez déjà la voir sur live Twitch. N'hésitez pas à follow bien sûr si ce n'est pas fait. Et voilà. Et on va hop dans la jungle. Mince, du coup j'ai pas opti. J'aurais dû faire attaque boostée puis gonflette. Ça n'était point opti. Point opti. J'entends là. Paf. Du coup la Vulné Assurance elle proc là. Je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il y avait un indicateur visuel de Vulné Assurance. Pas du tout. On ne sait pas du tout si elle proc ou pas. Hein. Ah j'ai pris la charge, mince. Paf. Allons-y. Mais ouais, ça va vrai que maintenant la tier list est un peu rechangée. Donc, après, la tier list, il faudra en faire tellement régulièrement que. On peut en refaire une, je pense. Un jour. Paf, 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 paf. Est-ce qu'on va. Oh, j'ai vu un Grenousse avancer. Grenousse Ronflex, c'est dur là. Et puis. Mauvais bail ça. Ok, je peux marquer vite pour me soigner. Ouah! J'ai esquivé le tourbillon, ça c'est pas mal ça. Ah non, il m'a mis dans le tourbillon le bâtard. Il m'a mis dans le tourbillon le bâtard. Ah, il m'a mis le tourbillon le bâtard, bien joué à lui. Ah non, il a 1 HP, dommage, mais ils t'ont pas suivi.
Ah, ils m'ont mis dans le tourbillon, j'ai mis mon sacrifice dans le tourbillon. J'ai mis mon sacrifice dans le tourbillon, dommage. J'aurais pu mettre mon sacrifice en dehors du tourbillon. Dommage, dommage. Non. Ah, le sacrifice dure moins longtemps ou. Ça, j'ai même pas eu le temps d'aller au Ludicolo avec mon sacrifice. Ça a été changé, ça. Coup dur. Ah, du coup, je suis mort, c'est chiant. On a eu un kill, je crois. J'ai fait un kill quand même, mais je suis mort. Ah, puis la botane, ça se passe mal en plus. Bon, je suis en retard d'XP là. Donc, je suis mort. On va se dépêcher de. Alors, close combat, c'est sur Lucario que ça a été update, hein, pas à Maconia. On va se dépêcher là, on a un jungler weak. On va se dépêcher de redevenir un jungler Chad au plus vite. On va refaire une route pour arriver. Alors, la route de jungle optimale pour retourner au Torgamore dans 40 secondes. Tant pis si j'ai pas le. Un écrapin, il va peut-être me manquer un écrapin, c'est dommage. Hop. Et l'autre va pas respawn. Ouais, il va pas respawn, dommage. Ah, si, il respawn juste maintenant. Il vient là. C'est de l'inciter à proc. Il a vitesse extrême, le bâtard. Ça fait mal, vitesse extrême, hein. Je vous jure que vitesse extrême, ça fait mal, hein. Il est mort. Ouais, c'est bon. Il est pas mort! Il a plus vitesse extrême sur les. Il a plus vitesse extrême sur les abeilles, quel dommage. Moi je suis que niveau 8, après il faudra un peu de farm là. Je prends le nom mais oui. Si je peux. Non. Ok. On continue à farm. Pourtant de farm. Si je peux choper mon niveau 9, c'est l'évolution, c'est 100% win, hein. Bonsoir, c'est niveau 7. Il fait mal même au niveau 7 lui. Faut pas que je meurs, pas maintenant. Est-ce que je peux. Oh, si je peux choper mon niveau 7 sur là, là-dessus. Ah, fait chier, du coup j'ai pas eu. Enfin, le motissement au top, j'ai l'impression quand même. Ah, mes mates se battent en bas. Ah, j'ai cru qu'on se battait pas. Je croyais que c'était mort. Ça se bat quand même. Écoute, je vais pas profiter de ce moment. Ah, mais il y a plus de. Déjà de. Ah, il y a déjà plus de motissement. Ok. Vas-y, il y a motissement. Bon, tiens, Ronflex qui veut venir le voler là. On va juste le donner là-bas. Voilà. On va pas le pousser. Bon, pas terrible pour l'instant. C'est ma cognard jungler. On n'est pas on point, mais ça va le faire. C'est vrai que je pourrais vraiment. Avec ma cognard, tu pourrais griffe rasoir. C'est vrai que les spells reviennent vite. Globalement. Ah, j'ai pris ça. Je pensais que le coup croix avait plus de portée. Que ça. Bon, je fais quand même des gros dégâts, sa mère. Ah non! Je peux pas le négocier, il me faut le négocier. Je l'aurai pas. Ça me force à flash. Ah, il y a une ult. Ils ont double ult, hein? Vraiment? Ok, on peut le choper lui. C'est déjà ça. Est-ce qu'on peut choper le blanc coton là? Est-ce qu'on peut pousser et choper le blanc coton? Voilà, ça me permet de marquer 6. Bon, que 6. Ah, si je peux marquer les 40 là. Ah, merci Flambuzard. La passe D du Flambuzard pour les 40 points. Oh, Nigosier. Reviens là, mec. Reviens là, mec. Oh. Ah non! Quoi? Comment ça, ils sont sortis de mon ult? Comment ça? Oui! Bonsoir. Tu ne mourras pas. Est-ce que je peux me heal et faire le Torgamore? Peut-être. Peut-être un monde. Peut-être un monde, mais c'est compliqué là. Ok, c'est bon. Ça passe. Ok, par contre, il y a des ultes. Je pense qu'il faut pas se battre là.
Peut-être sur lui. Peut-être, on peut prendre un kill peut-être sur lui. Ah, il nous a endormi. Ça suffit. Ok, faut qu'on s'en aille là. Go repli, go monter au top et go. Go faire le lotissement là. Tant pis, merci pour votre sacrifice, les potes. Merci pour votre sacrifice, les potes. Moi je vais faire lui hein. Je fais des gros dégâts quand même. Ok. Je vais pas faire les. Non, on va pas faire le farm là. On peut choper le. C'est quoi niveau 11 là? Ah, il a ulté. Ok, on s'en va. Il m'a ult, on s'en va. Lui aussi, il est là en plus. J'ai pas fait mon aller parce qu'il y a le Nigosier. Je me suis dit, je pouvais peut-être 1v1 l'Amphinobi. Et encore, c'était chaud. Et en vrai, j'ai bien fait parce qu'il y avait le Nigosier. Bon, je peux anticiper. Hop. Ah, il joue dive, vous avez vu? Il joue dive. Dive qui est beaucoup plus réactif. Hein, vous avez vu, il met un stand dive. Nigosier, pas de soucis. Il peut se permettre de faire des choses agressives du coup. Il peut se permettre de score up simplement. Il peut pas se permettre. 20 secondes, on va essayer de chercher notre niveau 15. On a au moins notre niveau 13, donc on a l'attaque boostée, ça fait plaisir. Et alors on fait qu'il se balade là. Ok. Ok frérot. Si tu veux. Peut-être 6 secondes, on peut essayer de. Ah ça se bat là. Attendez. Peut-être aider mon frérot là. Un frérot qui est en train de tomber au combat là. Reviens à toi. J'ai pris une ulti. Ah non, j'ai raté encore ça là. Pas possible ça. Ouais, double stun. Il va vraiment faire des kills lui. Il va vraiment tout tuer le cardio là. Ah, j'ai raté mon ult complètement. J'ai complètement raté mon ult. C'est nous coup le teamfight. Eux ils veulent marquer plutôt que faire l'Elector, je peux les comprendre, mais ils vont pas marquer en fait. Une petite erreur là. Oh non, on a tous sauté. Oh, Flambuzard. Ah, ils font une petite erreur là. Et ils laissent l'Elector comme ça là. Ah, ils font une grosse erreur selon moi. Hein. Là, ils pouvaient tuer la game. Hein. Attends, parce que là, il y a. Il veut aller chercher là. Attends, faut faire l'Elector parce que là, on se bat, mais il y a l'Elector à faire. Hein. Il va rappeler son os. Non. Typiquement, il va le choper lui. Non, c'est bon. Ok, il y a moins 2 là. Eh, mais il est petit bâtard. Il joue bien, hein. Il joue bien le Nigosier. Il va pas me laisser faire l'Hector comme ça. C'est greedy ce que je fais. 20 secondes là. Non, mais il y a 20 secondes, il n'y a pas le temps en fait. Comment ça, il a pas pris son truc, c'est bon. Donc ils sont tous au top là par contre. Ils sont tous au top, hein. Ils sont tous au top. Ok, c'est 50. C'est déjà ça. J'essaie de défendre mon Flambuzard. Ah merde, il m'a skip. J'ai récupéré mon ult derrière. Ah. Crucifié. Ah dommage, on aurait pu renverser la game. Parce qu'ils ont pas fait l'Elector. Après ils méritaient de gagner, mais enfin méritaient. Mérite est un concept bien subjectif, mais bon. Mais bon. Bah rip. Écoutez, s'il y a des viewers qui veulent join pour la last là, je vais mettre le code en haut à gauche. Attendez. Je vais mettre le code en. Le code. 83 21 54 75. Attendez, je vais juste faire les quêtes et je vous le remets. Vous avez retenu. Ouais. Vous avez retenu. Attendez, d'ailleurs, attendez, faut que je refasse cette scène du coup. Parce que du coup, ça c'est. Ah bah oui, forcément, du coup, ça devient. Ça devient mal fait. Attendez, hop, comme ça. Voilà. Vous avez le code. Vous pouvez join, on fait une classique, tous les niveaux. Hésitez pas. N'hésitez point. J'allais dire, je pourrais aller faire. Regarder les menus en même temps, mais si je vais dans les menus, vous n'allez pas pouvoir join. Donc voilà.
S'il y en a qui veulent jouer, je laisse une petite minute. Je vois que Chapineau est déjà venu. Les places se remplissent. Alors, ah attendez, il y a un tweet du compte officiel de Pokémon Unite. Ils adorent, hein. Quand je, ils ne tweetent que quand je suis en stream. C'est insupportable. J'ai pas la soundbox, mais c'est insupportable votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Alors, nous avons découvert un problème où Krabarak gagnerait un boost de puissance qui n'est pas voulu dans certaines circonstances. On s'excuse pour l'inconvénience. Et ils sont en train de travailler sur le problème. Ah, donc Krabarak est bugué en ce moment. N'hésitez pas, Krabarak dans certaines circonstances a un gain de puissance fou. Il reste une place dans la game. Est-ce qu'il y a des réponses dans les commentaires du tweet? Je regarde un petit peu. Ok, donc apparemment Krabarak a un buff de dégâts. Ils disent pas dans quelles circonstances Krabarak a un buff de dégâts insane, mais dans certaines circonstances Krabarak a un buff de dégâts. On sait pas s'il est insane ou s'il est petit. Si on sait pas ce buff, mais en tout cas il y a un problème sur Krabarak. Il y a un problème sur Krabarak qui est plus fort que prévu. Regardez-moi cette squad. On est prêt à tout détruire. On attaque instant. Et on attaque instant avec Kennard, avec Chapineau, avec Étoile et avec. J'ai pas vu le dernier pseudo. Je le ferai après. Il parle pas de Florizarre. Il pourrait. Canard, Calamar, Joy, l'Étoile et Chapineau. Quelle équipe de rêve. Qu'est-ce qu'on joue? What do we play? Qu'est-ce qu'on joue pour la dernière? Est-ce qu'on referait pas un peu de cartes? Est-ce qu'on essaierait pas? J'ai dit que je jouerais plus Karchakrok, mais en vrai j'ai envie. J'ai envie de lui donner une chance. Est-ce qu'on fait le set full offensif quoi? Genre offensif. Plus l'attaque du Pokémon qui tient cet objet est élevée, plus l'augmentation est importante. Pas sûr. En fait, il manque un objet de soin. Donc, écoutez, on teste comme ça. Mais le souci, c'est qu'il me manque un objet. Il manque un objet de heal, en fait, tout simplement. Il me manque un objet de défensif. Parce que le problème de Karchakrok, c'est que c'est une chips. J'ai pas vu qui allait jungle. C'est vrai que j'ai bien envie d'aller jungle quand même. J'ai très envie d'aller jungle avec Karchakrok. Parce que sinon, je vais passer une très mauvaise expérience en lane. Oui, parce que Karchakrok de lane, c'est nul. Hein. On l'a testé en stream, c'est. Non. Karchakrok, non. Il n'y a qu'un jungle où il peut être viable. C'est tout. Mais sinon, c'est bel et bien le pire Pokémon du jeu à l'heure actuelle, Karchakrok. Hein. Ça change pas. Mais j'ai envie, il est drôle, il est stylé. Et puis j'ai un skin qui est cool. Est-ce que je peux aller en jungle? M'en fous, tant pis, le Fantominus ira en lane. C'est mon stream. Le Fantominus ira en lane. Le mec insupportable. Le pire streamer de l'histoire, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette discipline. Non, le chat, c'est beau. C'est fabuleux, vous êtes discipliné. Pourquoi j'avance pas là? J'ai encore le bug là. Regardez, j'ai le bug. J'ai eu le bug où j'ai pas pu. Vous êtes discipliné, le chat, c'est beau. Attends, il faut que je remette la soundboard d'ailleurs, j'ai pas mis là. Touch portable. Ah non, mon buff est parti. Ça, c'est chiant aussi quand tu perds ton buff. Tu le perds trop tôt, le buff d'attaque spéciale, genre. Pas d'attaque. Là, je dois tout recharger, là. Vous êtes discipliné, le chat, c'est beau. C'est fabuleux. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Ce qui est bien avec la jungle, c'est que voilà, première rotation, on est déjà plein Grignote. Tout va bien, quoi. Bon, je devrais faire jet de sable. Hein. Je sais pas pourquoi j'utilise pas jet de sable, mais jet de sable booste votre vitesse d'attaque, donc... vous devriez faire des jets de sable. Au top. Go farmer là. Ok, j'ai les abeilles. L'heure de bac pour faire les buffs. Non, écrapince.
Et crapin cède. Bon, allons-y. On y retourne. Les buffs. On n'a pas fait de kill, mais on a eu les abeilles. Bon, après, c'est pas très qu'on n'a pas fait de kill, mais bon. On a eu plein d'abeilles. Après, on a un Grignote, honnêtement. Je compte pas faire des kills au niveau 5 avec Grignote. Hein. Très clairement, c'est pas grave. Hein. Hop, bon, je peux notre niveau 7. J'ai eu du retard d'XP, j'ai l'impression. Hop. Je pourrais ganker là, limite. Je pense que je peux pas aller chercher mon niveau 8 en ganker. Attendez, oh, attendez, on va y aller là. Niveau 7, j'y vais. Ok. Et là, je vais prendre Dragon Claw. J'ai testé Dragon Claw sur cette game. Je pense que Séisme est plus. Séisme est un peu plus. Mieux. Enfin, un peu plus polyvalent. Mais Dragon Claw, ça m'a l'air très puissant en fait. Quand même. Plus, il y a le combo Draco Charge, Dragon Claw, Draco Griff. Mais c'est pas un combo qui est ouf d'ailleurs. By the way. Attends, j'ai pas marqué, je suis un peu bête là. J'aurais dû aller marquer, je suis un peu con. Oh, il a fait mal lui. On s'en va. Ok. Et là on l'a eu. Et c'est ça. Là j'ai fait le combo mais vous voyez. Après ça réduit le cooldown quand même. L'attaque insupportable placée quoi. Ok. J'ai fait des gros dégâts, on a ult. Ça coûte cher, mais on s'en sort. Ok, bon, on a eu le Torgamor, on fait des petits kills et au moins on a un Karchakrok à 6 minutes et on peut flex notre skin. On peut flex notre skin. Bon, en vrai, j'aurais peut-être dû prendre Earthquake plutôt Draco Griff. Mais bon, on va tester Draco Griff, j'avais envie de tester. Est-ce qu'on peut aller. Ah, mais vous voyez là par exemple, je comprends pas. J'ai spammé Draco Griff dans les airs et ça a pas fait le combo. C'est ça que j'ai du mal aussi avec cette attaque, c'est que des fois, genre là je spam ZR là, c'est bon, là ça passe. Du coup, le cooldown de Draco Griff est réduit, c'est ça le bail? Non, même pas. Ah, c'est ça. Et du coup, ils l'ont eu. C'est chiant. Tiens, je suis à distance par contre. Ah! C'est à distance, c'est chiant. Ah, j'ai pas de flash. Je suis un peu une victime, hein. Je prends hyper cher car je crois que je suis hyper fragile. Si j'avance, je suis mort quoi. Mais je peux pas farmer, je peux juste défendre. Ça, je vais m'en aller. Je peux m'en aller en vrai. Ah, fait chier. Là, je suis mort. Là, voilà. J'ai voulu go in alors que je pouvais pas. Et ouais, contre mon Finobi, ça pardonne pas. J'ai mal joué. Hein, j'avais fait un bon early. Et là, le fait qu'il marque et tout, c'est bien. Pour eux. Bon, après, faut juste pas louper le Torgamor. On sera pas trop mal dans la game. 20 secondes, j'ai même pas le temps de faire mon buff bleu. Ça, c'est chiant. Mon buff rouge. Vous voyez, là, ça n'a pas non plus fait mon. Ça a pas fait le combo avec Draco Griff. Là, c'est chiant. On y va. J'ai pas mon niveau 12 par contre, c'est agaçant. J'ai pas mon niveau 12, toujours pas. Bon là j'ai des. Là il y a eu des dégâts là. Là il y a du dégât là. Là il y a du dégât. On a eu au milieu de la mêlée le Torgamor, je sais pas comment on a fait, mais là il y a eu du dégât. Là il y a eu des dégâts. Ah. Est-ce que je peux marquer 48? Faudrait que Chapino marque 21. Ah bah Chapino peut marquer 21. Ce n'est pas grave. Pareil, ça n'a pas fait Draco Griff là encore. Ok, ça se passe bien. Motisma dans 27, on va y aller. On est déjà niveau 13, incroyable. Ok, là le combo ça me permet de one shot un écrapin, hein, c'est quand même. Plaisir un peu ça. Je vais pas m'essayer là. Je vais nous endormir lui. On remarque pour se soigner, il y a un motisme à faire, on va y aller. On peut le détruire, un motisme avec ectoplasma car chaque fois qu'on le détruit. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Voilà, ça c'est détruit. Tant qu'il a fait les abeilles. Moi j'ai retourné faire mes buffs.
Pas d'objectif à jouer, pas de gank à faire. On va retourner faire nos buffs. Et voilà, tranquillou. Je sais pas ce que ça fait, Draco Griffe Plus et Draco Charge Plus. Je devrais m'enseigner un peu plus. Je sais plus exactement les effets que ça a. Paf, paf. Par contre, ça cooldown réduit déjà. En tout cas, vous avez vu, je suis beaucoup plus vite au niveau max hein, d'enchaînement là. Oh là là, l'enchaînement. On a même perdu ça. Paf. J'appuie sur A. J'étais content. Je suis content, j'appuie sur A. On va être niveau 15. Je vais bien me battre là, j'arrête de farmer là. On va passer derrière lui, on va le faire back. Voilà, on va le ramener vers nous. Je m'en fous, je le tape. Je tape dans son ult, hein. En vrai, je tape dans son ult, hein. Juste, on tape dans son ult, hein. L'ultron flex, maintenant, faut taper dedans, hein. On peut le faire, hein. On le détruit, hein. Hop là, on passe niveau 15. Pff, les critiques qu'on met. Ok, on a pris l'ultime garde-voir, dommage. Enfin, dommage. Ça n'a absolument aucune incidence. On va détruire le camp de scoring, on est prêt pour l'élector, tout le monde a marqué. On est bien, allons-y. On n'a pas mis de point de doublé, c'est pas grave. J'ai envie de le faire l'élector. Je vais te faire l'élector. J'ai très envie de faire l'élector. On les arrête. Ils sont 4 morts. Elector il va disparaître, vous allez voir. Hop, 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 hop. Malgré le debuff. Hein. Là on a le debuff Torgamor. Hein. Enfin pas moi. Mais hop là. Oh 1000 points. Oh les game viewers, voilà. Game viewer. Qu'est-ce que je disais à propos des game viewers qui se passent mal? Bien sûr que si ça se passe bien les game viewers là. Bien sûr que si ça se passe bien les game viewers. Ah ils ont forfeit. On n'a pas eu le temps, bravo le chat. Tout simplement fabuleux. Oh oui Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Regardez-moi ça. Bah du coup il y a que 370 à 171. On n'a pas eu le temps de marquer. Le skin est beau, je viens de le choper à la loterie. Bien joué Banzai. Mais tout le monde a le skin à la loterie. Moi je suis le seul à pas avoir le skin à la loterie, c'est terrible. Je suis le seul à pas avoir le skin à la loterie, c'est terrible. Bon bravo le chat. Alors, est-ce que le chat a mérité ses good jobs? Oui, le chat a mérité ses good jobs. Allez. Je donne pas des good jobs d'habitude, hein. Je donne pas des bravos, hein. Franchement. Regardez-moi ça, tout le monde se congratule. Tout le monde se congratule, c'est beau. Sauf Étoile. Étoile, il a pas dit good job. Étoile, il a pas dit good job. Il va être kick, hein. Non, Étoile, 14-16, mon Florizard. Étoile, t'as pas dit good job. Étoile, c'est purge. Étoile, le purge de l'exemple. Attendez, je peux pas? Si. Le purge de l'exemple. Voilà. Coucou, c'est moi. Hello, Ips. Wow, le jeu est plus beau. Plus beau, vite fait. Yo, Seb. Bah j'arrive soon. J'arrive soon mec, c'était ma dernière game. Je ferme le live et j'arrive. Et parce que ce soir les amis, je vous l'ai dit en début de live, il y a un événement. Il y a faut que je coupe le live. Il y a le meilleur activité du jeudi soir les gars, c'est ah il y a Étoile, il a donné le good job quand même. Regardez. Il a donné le good job à Étoile. Ça va, ça va. Meilleure activité du jeudi soir, regardez BFM TV. Pourquoi sortir en ville quand vous pouvez regarder BFM TV et des débats Mélenchon Zemmour. Quand même. Bon, je me dépêche parce que là, c'est dans 20 minutes. Je vais me changer. Je vais aller chez le bon Seb qui est dans le chat d'ailleurs. Et on va se mater ce débat. Aïe, 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 il va y avoir du sang. Oh, mais il y a un enchaînement de follow par contre. Merci beaucoup à Tiflo, à Calmar Joyeux, à Aki ses épices sur les frites et à 74 Karim. Merci beaucoup les potes. Oh là là, l'enchaînement. Merci les potes, l'enchaînement de followers. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez. Elio, je peux jouer avec toi si le groupe il est pas complet. Et je viens juste de finir. On vient juste de finir. On va aller donner de la force. Mais on va aller raid quelqu'un. On va aller raid un petit pote, un petit streamer Pokémon Unite. Et je veux que vous lui donniez de la force. Et que vous jouiez avec lui. Que vous jouiez avec lui. J'ai souvent des streamers qui font des game viewers. Vous irez leur demander. Merci à tous d'avoir été là sur ce petit live tranquillou. Petit live de ce soir. On se retrouve demain à 16h. Demain à 16h. C'est bien. C'est un planning qui vous correspond. Donc restez là pour le raid, envoyez de la force à la personne qu'on va raid, merci à tous, et à demain 16h, point d'exclamation boutique, point d'exclamation YouTube, pour voir la dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui, la boutique pour me soutenir, bien sûr, la...
Vous ne pouvez pas partir de là, mesdames et messieurs, sans utiliser le point d'exclamation boutique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces stocks en édition limitée de la Merch Charmy. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. C'est seulement sur Twitch.tv/Pumpkinman et c'est une édition limitée. Demain, il n'y en aura plus. Les stocks descendent à vue d'œil. Regardez, je vois 55 objets hors stock. Déjà plus que 54, plus que 53. Dépêchez-vous, le stock est en train de diminuer. Et cette promotion se termine aujourd'hui. Alors, dépêchez-vous. Sautez sur cette occasion pour exclamation boutique, bien sûr. Dépêchez-vous. Allez, on va raid. Merci à tous et à demain. Gros bisous. Et point d'exclamation boutique, bien sûr.